Bonjour à toutes, à tous et aux autres personnes, entités qui seraient présentes. Je suis très heureuse de vous voir ici et d'ouvrir cet après-midi deux discussions autour du travail et de la réflexion d'Ochi Curiel et du féminisme décolonial d'Ami Ayala. Je voudrais d'abord remercier l'Université de Chicago de nous accueillir. Ah, je salue aussi les gens qui sont en visio, bien sûr. Je voudrais remercier l'Université de Chicago de nous accueillir, qui n'a pas hésité un seul instant à nous prêter cette salle, comme ça, un petit peu débeautée, cette salle très jolie et relativement centrale, puisqu'on a déjà eu un premier séminaire avec Ochi lundi à la MSH Paris Nord. Mais voilà, je pensais que c'était peut-être aussi pour les gens du sud de Paris et de l'intérieur que ça pouvait être une bonne chose de faire quelque chose ici. L'Université de Chicago qui n'hésite pas à accueillir des événements sur les questions décoloniales, puisque, et je dirais quelques mots là-dessus justement, c'est vraiment une thématique qui est à la fois d'un grand intérêt et d'une grande importance aujourd'hui et qui fait, comme vous le savez, bien sûr, l'objet de débats, de critiques et de menaces, on va dire aussi. Et il n'est pas évident de trouver où et avec qui organiser ce genre de discussion. Donc on a, l'année dernière, juste au moment où les débats sur, et les attaques très virulentes, notamment ministérielles, sur les questions décoloniales sortaient, on faisait justement un colloque sur les questions décoloniales ici avec l'Université de Chicago, heureusement en ligne, ce qui nous tranquillisait un petit peu plus, mais enfin quand même on était pas extrêmement rassurés et on se réjouit vraiment de pouvoir renouveler l'expérience en présentiel cette fois-ci et voilà. Donc la venue d'Ochi est l'occasion de réunir à la fois vous comme public et ici des collègues particulièrement intéressantes et intéressants, même si le collègue intéressant ne nous a pas encore rejoint sur la table. Donc Myriam, et je suis vraiment très très heureuse que Myriam ait accepté de participer, pareil un petit peu aussi au débeauté, à cet après-midi de discussion. Donc Myriam Grossi, qui est anthropologue et qui est tu es fondatrice, je pense, du NEIM. Non. Pas du NEIM, pardon. NIGS. Du NIGS, à l'Université fédérale de Santa Catarina, donc du noyau d'études de genre. Et qui est aussi une des grandes organisatrices chevilles ouvrières et têtes pensantes à la fois du Fazendo Genero, qui est donc la grande rencontre biannuelle, est-ce qu'on dit comme ça, tous les deux ans, à l'Université de Santa Catalina sur les questions de genre, et qui vraiment maintenant réunit bien au-delà de la seule sphère lusophone et brésilienne, et qui ont aussi eu l'expérience de faire de coupler leur rencontre avec le Mundo de Mujeres. Donc, c'est-à-dire de coupler une rencontre universitaire, académique, avec une rencontre du mouvement social. Et c'était vraiment une expérience particulièrement riche, à laquelle d'ailleurs j'ai eu le plaisir de participer. Donc voilà, pour le dire très très rapidement. Capucine, qui a également accepté de participer, et en fait d'unir. Myriam est ici en tant que professeure invitée sur une des chaires de professeurs invités de l'IHEL. Et donc, elles ont accepté d'unir en quelque sorte le séminaire Chacal, qu'elle co-organise donc à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Capucine Boisdin est à la fois directrice de l'IHEL, de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et aussi l'une des personnes qui ont vraiment fortement contribué à introduire ici en France les questions décoloniales, notamment avec des traductions et en publiant un premier numéro des CAL, des Cahiers d'Amérique latine, en 2009 sur ces questions. Donc c'est vraiment une personne tout à fait centrale dans ces débats et qui a permis aussi institutionnellement de donner une certaine visibilité et de d'ancrer les questions décoloniales dans les perspectives issues, ou de souligner plutôt les origines latino-américaines et caribéennes de ces perspectives décoloniales. Je dis latino-américaines et caribéennes, je pourrais dire aussi bien sûr, et je devrais dire Ami Ayala, mais quelquefois pour qu'on se comprenne mieux, ou habitude, je dis latino-américaine et caraïbe, parce que ça permet aussi de mentionner les Caraïbes, qui est une chose que j'ai appris à faire avec Ochi, dans la mesure où les Caraïbes sont souvent impensés, oubliés, invisibilisés dans les réflexions sur le continent. Nous serons rejointes ensuite, tout à l'heure, également par mon collègue Guillaume Sibertin-Blanc, qui est mon collègue donc à Paris 8,
au laboratoire de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie et avec qui j'organise, et donc c'est en quelque sorte un travail conjoint de nos deux séminaires. Nous faisons ensemble un séminaire qui s'appelle Sémios politique et nous nous intéressons beaucoup justement aux perspectives décoloniales à l'IAYALA, notamment aussi aux perspectives autochtones et des femmes autochtones dans ce séminaire. Voilà, donc je suis vraiment très contente qu'on ait l'occasion de discuter avec une personne qui, de première main, participe depuis de très nombreuses années à l'élaboration à la fois de la pensée et de la pratique féministe et lesbienne et antiraciste et anticapitaliste décoloniale d'Abby Ayala, qui est Ochi Curiel, donc qui va être présentée tout à l'heure par Myriam. Vraiment, encore une fois, à un moment où ces perspectives sont à la fois caricaturées, hein, sont durement critiquées, mais de manière tout à fait caricaturale, bien sûr, comme vous vous en doutez. Et aussi, je pense que l'autre raison importante pour moi, en tout cas, de faire intervenir et d'écouter et de connaître, de nous approcher du travail de personnes comme Ochi, c'est que vraiment, pour y compris les personnes qui se sentent proches ou s'intéressent aux questions décoloniales, très souvent, en fait, les origines d'Abby Ayala sont complètement invisibilisées. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un ministère, par exemple, qui a une perspective complètement dénaturée de la réflexion décoloniale, mais de l'autre côté, il y a des gens qui se revendiquent de perspectives décoloniales en omettant ou en minimisant de manière, à mon sens, très très dommageable et très regrettable, et quelque part très coloniale, le fait que les racines de cette perspective et de cette action décoloniale, elles plongent dans le continent et les Caraïbes, le continent d'Abby Ayala et les Caraïbes, en quelque sorte. Donc voilà, et il y a à la fois cette méconnaissance des origines d'Abby Ayala et puis cette méconnaissance des origines populaires, noires ou afro et autochtones. Et ça aussi, je pense que Ochi va nous le dire. C'est-à-dire que bien souvent, le discours commun, le discours dominant dit, c'est pas complètement faux, mais c'est en partie inexact, attribue la réflexion décoloniale à des universitaires et des universitaires des États-Unis ou établis aux États-Unis, alors que vraiment, je pense qu'il faut rendre au continent et aux militants et militantes et aux personnes anonymes et aux personnes d'en bas, de classes populaires et racisées, leur maternité et leur paternité sur ces réflexions et sur ces pratiques, j'insiste beaucoup, pratiques de lutte et de survie quotidienne des coloniales. Donc voilà, et donc je traduirai Ochi en simultané, puis je lui traduirai si c'est nécessaire. Si vous voulez, vous pouvez vous exprimer en espagnol, en portugais. Si vous pouvez vous traduire après, tant mieux, sinon on essaiera de le faire collectivement. Si je suis très épuisée et qu'à un moment donné, quelqu'un se sent de traduire à ma place, magnifique aussi. Voilà, donc l'idée, c'est quand même de laisser le plus de temps possible pour la discussion avec vous, et pas seulement une discussion, on va dire, verticale, mais aussi une discussion horizontale. Donc voilà, et puis après, nous avons amené, comme vous pouvez le voir, de quoi très modestement boire un petit verre ensemble pour avoir un autre niveau aussi de discussion si vous ne vous sentez pas de discuter comme ça, assis sur les chaises. Voilà, donc je m'arrête là en remerciant encore, en vous remerciant toutes, tous d'avoir accepté de participer, d'être venus, d'être en ligne, la Technique, l'Université de Chicago. Et je donne la parole, en fait, je ne sais pas à qui d'ailleurs. Possible d'abord. Capucine. Selon le plan. Allez, Capucine. Merci beaucoup, Jules. Merci beaucoup pour ton invitation. Et puis surtout, merci de nous avoir fait connaître les travaux de Chi et puis de nous permettre de la rencontrer. Voilà, c'est un moment important pour moi. C'est un moment important aussi pour les études décoloniales, pour le féminisme décolonial. Je vais être assez brève et prendre simplement une dizaine de minutes pour peut-être faire une petite généalogie de la façon dont se fait cette rencontre entre les universités françaises et les études décoloniales. Et vous le dire de manière assez simple à partir de mon expérience personnelle. Pour la petite histoire, notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine dans les années 2000. Il se trouve que je suis aujourd'hui directrice, une deuxième femme depuis 1954 à occuper cette position.
Et que dans les années, donc à partir de 2007, en fait, voilà, moi j'ai intégré l'Institut des hautes études d'Amérique latine en 2006. À mon arrivée, j'ai créé un séminaire que j'avais appelé Écriture des sciences sociales et études postcoloniales. L'année suivante, en 2007, on a fait une rencontre avec Paul Gilroy, que certains connaissent peut-être pour son livre important, Atlantique Noir. Et à cette occasion-là, j'avais rencontré James Cohen, qui m'avait fait rencontrer Ramon Grossfogel. Et James me dit, mais tu sais qu'il y a aussi les études décoloniales. Alors, évidemment, moi, en 2007, eh bien non, je ne connaissais pas. Et donc, Ramon est venu spontanément, deux semaines plus tard, faire une présentation des études décoloniales dans notre séminaire. Il est revenu une deuxième fois parce qu'une fois ça suffisait pas, voilà, il y avait une vraie demande. Il a été très généreux dans sa façon de nous transmettre ce qui était à ce moment-là assez bouillonnant. De là, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on fasse un numéro des cahiers des Amériques latines pour donner à connaître des idées principales de ce courant, qui à l'époque avait plusieurs noms déjà, post-occidentalisme, groupe modernité, colonialité, et c'est intéressant de voir comment petit à petit c'est le terme étude décoloniale qui s'est imposé, qui a recouvert les autres appellations, surtout à mon avis en raison des dynamiques propres du monde académique, parce que l'enjeu en fait était de positionner les études décoloniales dans leur différence par rapport aux études postcoloniales. Non pas contre, mais dans leurs différences et spécificités. Et ce qui était très important et ce qui m'a paru très intéressant dans ces études par rapport aux études postcoloniales sont peut-être, je dirais, deux, trois points que je vais essayer de résumer ici. Le premier, c'est que déjà à l'époque, dans les études postcoloniales, on commençait à critiquer la notion de métissage et d'hybridity pour ses impacts politiques, puisque finalement, en étant un peu fasciné par toutes les hybridations postcoloniales, le fait d'écrire en anglais ou en français depuis les ex-colonies, faisait oublier toutes les luttes anticoloniales antérieures, en fait, qui avaient permis d'arriver à cette situation postcoloniale. Donc il y avait une forme d'attente, de demande, de réflexion pour essayer d'aller au-delà, en fait, de ce qu'on pouvait aussi considérer comme une forme de complaisance, de fascination un peu esthétique pour des métissages qui, en fait, sont le résultat de luttes, le résultat aussi de souffrances. Voilà. Tous les métissages ne sont pas heureux. Et donc, il y avait une place, une forme d'ouverture intellectuelle pour accueillir les études décoloniales. Moi, ce que m'ont apporté les études décoloniales à ce moment-là, et ce que m'a apporté Ramon Grossfogel en particulier, c'est de penser le racisme à l'échelle globale. Ça va vous paraître un petit peu un dinosaure, ce que je vais vous dire, peut-être, mais moi, à l'époque, je ne pensais pas le racisme en France de manière connectée au racisme d'Amérique latine. Pour moi, c'était des phénomènes déconnectés. Donc, ce qui m'a appris à connecter, d'une certaine manière, c'est l'expérience du racisme qu'on a en France avec le racisme des Amériques et à en comprendre l'origine, qui se situe en 1492, et à cette imbrication du racisme avec les dynamiques du capitalisme qui se met en place véritablement à partir de 1492. Bien sûr, ce sont des idées en débat constant, mais j'ai envie de dire que cette connexion intellectuelle, je l'ai faite à partir de ce moment-là. Alors bien sûr, les études décoloniales apportent bien d'autres choses, mais moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est vraiment vraiment dans les études postcoloniales, on est autour de quelque chose, autour de la littérature, autour des... voilà, beaucoup... de spécialistes de littérature, de philosophie, peut-être, vous allez me corriger peut-être tout à l'heure, et puis avec les études décoloniales, on est dans des démarches plus de sociologie, d'économie, et on réintègre toute la dimension matérielle des dominations à l'échelle globale. Alors, à l'époque, entre 2007 et 2009, ne s'impose pas encore à moi une généalogie claire de ce courant de pensée, hein. J'en voyais tout à fait les racines dans la philosophie de la libération, mais dans les détails de la chronologie de ce courant, je n'avais pas encore identifié l'article de Quijano, de Aníbal Quijano, de 1992, dans Perú Indígena, comme l'article fondateur.
ni celui qu'il écrit dans la revue de l'UNESCO avec Wallerstein, la même année. Évidemment, 1992, c'est une date symbolique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette origine double nord-américaine, péruvienne du mouvement, en fait, c'est une construction que Walter Mignolo va faire un peu plus tard, dans les années plutôt 2010, voire même 2014-2015. On pourra peut-être revenir là-dessus, sur la façon dont on raconte aussi les origines d'un courant, hein, puisque c'est évidemment, ce sont des enjeux politiques assez importants. En tout cas, voilà, on a avec les études décoloniales quelque chose qui, dans les années, je dirais, 2010, est assez passionnant. On réfléchit à cette question du pluriversalisme, pour aller au-delà de l'universalisme. Et puis je me souviens d'une présentation à l'IHEL, où tu étais venue, Jules, et où là, je me prends une grande claque dans la figure, parce que Jules me fait remarquer, mais il n'y a que des hommes dans tes auteurs, dans ton numéro des Cahiers des Amériques latines. Et je vous assure, je ne l'avais pas vu. Bon, bref. C'est bien, dans notre vie académique, on progresse. Et donc, Jules me fait remarquer à ce moment-là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là que tu fais d'ailleurs le numéro du CEDREF pour traduire les féministes décoloniales. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est une forme de tribut intellectuel que je te dois, Jules, de découvrir à travers toi ces féministes décoloniales. Et c'est bien après hein, que j'ai effectivement lu Maria Lugones, Mujeres Generando, etc. Et d'ailleurs, on l'enseigne, enfin, je dirais que c'est encore, même si ce sont des articles qui ont été écrits vers 2000, et on est en 2022, on ne peut pas dire que ce soit encore intégré dans nos enseignements, hein, par exemple. C'est-à-dire que ça fait partie de nos séminaires de recherche, et chacun son acronyme, c'est séminaire d'histoire et d'anthropologie, colonialité, altérité. Voilà, on intègre ces questions-là dans le séminaire de recherche, mais ce n'est pas encore traduit dans des enseignements. Voilà, je ne peux pas tout vous dire, je trouvais que c'était plus intéressant de raconter aussi à Oshi, et je pourrais te le redire peut-être en espagnol, la façon dont voilà, les liens intellectuels entre penseurs et penseuses d'Amérique latine et penseurs en France se font voilà, en traversant l'Atlantique. On n'a pas le choix, il faut bien qu'on se rencontre, Internet ne suffit pas, la lecture des textes ne suffit pas, et en revanche, c'est très important qu'on ait des espaces de discussion libre et non trop, en évitant une politisation excessive, pour pouvoir discuter sur le fond. Voilà, si je peux me permettre. C'est pas fini. Parole est à Myriam. Bon, moi je suis très contente d'être ici. Je remercie vraiment Jules. Et c'est bon, plaisir, honneur et même responsabilité très grande de répondre à la demande de Jules de présenter Oshi et de parler un peu aussi sur les impacts, les effets aussi de cette pensée décoloniale, féministe, lesbienne, noire, etc., maintenant au Brésil. Bon, je voulais juste aussi remercier Capucine et l'IHEL de l'opportunité vraiment très enrichissante d'être ici là-bas, l'IHEL, mais bon. Et en plus, en t'écoutant, avant de présenter Oshi, juste pour dire que c'est vraiment très, parce que c'est vrai que Jules est notre grande traductrice, mais pas seulement la traductrice dans le sens de traduire et de publier, mais justement de faire ce que je pense qui est au fond du travail d'Oshi et qui est au fond du travail décolonial, que ce sont justement les relations, les liens et ces voyages, ces rencontres. Quand tu parlais de Fazenda do Gênero et du monde des mulheres qu'on a eu il y a déjà 4 ans, 5 ans, 2017, à Florianópolis, je pense que, c'est ça qu'on se demande, l'année dernière on a fait le Fazenda do Gênero virtuel, mais justement, même si les discussions sont toujours, disons, les présentations sont toujours les mêmes et très intéressantes, c'est surtout ce côté du personnel, des liens, des rapports, des discussions, et de combien, effectivement, la théorie, je pense que ça c'est, au fond du travail d'Oshi, c'est que toute théorie féministe, décoloniale, elle est le produit de la vie concrète, de la vie quotidienne,
et des rapports de pouvoir et des rapports d'amitié et surtout des rapports de l'activisme dans le quotidien. Et je pense que justement, quand on pense au travail que je fais et le fait que je sois à l'IHEL en ce moment, ce sont aussi ces dialogues. Et par exemple, en écoutant Capucine et dans mes classes, je suis vraiment très heureusement surprise de combien mes étudiants qui sont bon, Master 1, Master 2, qui ont fait d'autres cours le semestre d'avant, maintenant, etc. Et combien ils connaissent déjà les féminismes noirs latino-américains, qu'ils connaissent déjà les questions de race, les féministes et tout. Et je suis vraiment très contente de voir que c'est pas... Évidemment, il y a quelques-uns que c'est la première fois, qui sont en train de lire, mais ce sont des questions qui sont là présentes. Et là, je pense que les traductions que tu as produites dans le cahier du CEDREF et les rencontres que tu es en train de proposer aussi depuis longtemps, à Paris 7, maintenant Paris 8, sont aussi très importantes, parce que tout cela est dans cette histoire. Et bon, en reprenant là, un peu pour présenter Oshi, je te connais plus par tes écrits, dont je m'inspire énormément, mais j'ai lu plusieurs interviews et plein de choses pour savoir un peu de ton histoire. Tu nous as parlé un peu aussi l'autre jour, lundi, je pense que quelques-unes d'entre vous étaient aussi lundi, tu nous as un peu raconté de ta propre histoire, mais pour ceux et celles qui n'étaient pas là, donc tu nous as raconté que tu es née en République dominicaine, dans la ville de Santiago, et de là, je ne sais pas si tu as parlé l'autre jour, mais dans les choses que j'ai lues, Oshi et fille, ses parents étaient enseignants de l'école primaire, le père musicien, et donc là, prof de musique, donc tout ce côté que je me demandais, dans cette semaine ici, c'est ça, ma quiche, tu vois, ma réclamation là, c'est qu'on n'a que des interventions orales ici, toi à Paris, on aurait bien voulu t'écouter aussi de la musique. Donc Oshi, elle, dans son histoire, c'est une chanteuse, compositrice, auteur de musique féministe, révolutionnaire, engagée de toutes sortes. Et c'est aussi par ce biais que Oshi raconte, dans ce qu'elle raconte de son histoire, c'est par ce biais aussi qu'elle est arrivée dans le chant féministe, parce qu'on lui demandait, viens chanter, etc. Donc, dans des rencontres féministes. Et donc, c'est par ce biais-là, de cet engagement dans les luttes populaires et dans les luttes contre toutes les oppressions, que le féminisme est entré dans sa vie. Et là, elle est partie donc de sa ville, Santiago, vers la capitale, où elle a fait ses études en travail social, on dit en français, en portugais on dit service social. Je pense que c'est pareil en espagnol, je ne sais pas très bien comment c'est. Parce que je ne sais pas si exactement, et même j'ai des doutes, si le travail social français est exactement le service social du Brésil du moins. Parce que le service social du Brésil, en ce moment, depuis des décennies, ce qu'on connaît, je ne sais pas comment c'est en République dominicaine, mais c'est un domaine de travail, de pratique très engagé, très marxiste d'ailleurs, et où le féminisme entre. Tandis que ce que je sais du travail social en France, sans généraliser, c'est plutôt, disons, les personnes qui sont pour nettoyer les dégâts du néolibéralisme, du capitalisme, du colonialisme, etc., de toutes les oppressions. Il y a toujours des assistantes sociales et tout, mais juste pour dire que je ne sais pas dans ta formation, mais je crois que c'est pas là, il y a déjà une traduction à faire, que quand on dit travail social en Amérique latine, c'est pas exactement le même travail social qu'on retrouve, au moins en France, d'après ce que je connais, et là, c'est toujours partiel, évidemment, il y a plusieurs sortes de pratiques. Donc là aussi, après, j'aurais voulu te faire plein de questions sur ta vie et sur tes apprentissages, mais dans mon interprétation, en pensant justement à cette entrée dans le champ des sciences humaines, dont Oshi est entrée, et puis
Et après ses études, elle a voyagé dans plusieurs endroits du monde. Bon, elle a vécu au Brésil, au Mexique, en Argentine, mais je crois qu'aussi en France, non, Julie, parce que c'est, dans ce qu'elle raconte, c'est pas écrit, mais moi j'ai toujours pensé, je pensais que Oshie vivait quand même pas mal en France. Et donc plusieurs fois je l'ai retrouvée ici, donc c'est pour ça que dans mon idée tu avais vécu en France aussi, mais tu vois, en lisant j'ai vu que non, mais dans mon expérience de te connaître, il y avait cela. Et depuis plus de 15 ans, elle est déjà maintenant installée en Colombie, et c'est en Colombie que, bon, qu'elle s'est approchée plutôt bon, de l'anthropologie, qu'elle a fait ses études universitaires, l'équivalent master et doctorat. Mais je pense, à mon avis, et c'est ça aussi mes interprétations, que Oshie, que disons, que l'exigence de faire, et là on a eu l'occasion lundi de t'écouter sur ton livre qui est ta thèse de doctorat passionnant, sur cette loi, bon, de l'immigration, des circulations entre Haïti et République dominicaine. Mais je pense que dans le cas d'Oshie, cette quête, disons, ça a été un peu à l'inverse, parce qu'en général, disons, dans le monde de la recherche, on commence par la formation académique et après on devient bon, une chercheuse, une intellectuelle, on écrit des livres. Et Oshie, elle avait déjà une production immense avant son doctorat. C'est pas le doctorat qui va faire, au contraire, même d'ailleurs je voulais, et dans ce que tu racontes, que tu dis, de ta position même à l'intérieur de l'anthropologie, comme une position toujours, pas une position, disons, théorique, d'apprendre la théorie, mais de pratiquer la théorie, surtout dans son engagement auprès des groupes qu'on étudie. Là, évidemment, tu reprends un chemin d'une anthropologie qui est produite en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Brésil, je parle là de mon côté en tant qu'anthropologue brésilienne, et très empreinte dans les actions de l'Association brésilienne d'anthropologie, la AAB, où ce qui nous caractérise dans notre anthropologie qu'on fait au Brésil, c'est vraiment cette obligation, ce compromis, comme on dit en portugais, cet engagement auprès des groupes qu'on étudie. C'est même écrit dans notre code d'éthique de l'Association brésilienne d'anthropologie. Un des articles, c'est qu'on doit être toujours du côté de ceux qu'on étudie. Et bon, là, c'est déjà quelque chose, même en comparant avec la France, que je sache, je ne sais pas, Capucine, tu peux me corriger, que je sache, il y a plusieurs associations, maintenant que c'est créé la FEA, l'Association française des associations d'anthropologie, ethnologie et anthropologie, mais que je sache, j'ai fait il y a quelques années un travail comparatif des codes d'éthique de plusieurs associations d'anthropologie du monde, l'association française n'avait pas de code d'éthique, au moins en public. Donc déjà, je pense que ce sont déjà des questions, et de ce que je connais de l'anthropologie en Colombie, bon, ce sont des questions qui se posent à nous toutes, anthropologues, et en plus, anthropologues féministes latino-américaines, c'est que l'engagement fait partie de notre travail. C'est presque impossible de faire un travail science pure, théorie, comme si, parce que tout ce qu'on fait, on est avec des populations, des gens avec lesquels on crée des liens d'amitié, d'affect, et surtout de responsabilité politique vis-à-vis des oppressions. Donc, je pense que ton approche, c'est ça. Tout ça, c'est des questions qu'après, j'aimerais beaucoup en discuter, de savoir un peu plus. Mais j'ai vu dans ta trajectoire, justement, ce basculement de quelqu'un qui était très militante, qui a produit des textes qui sont fondamentaux pour le féminisme, les féminismes latino-américains, caribéens, d'Abby Ayala, comme tu le dis souvent. Mais je pense que ton passage plus récent par l'anthropologie, l'université en tant qu'espace avec plein de règles, t'a aussi permis de produire une critique très forte vis-à-vis, qui me semble fondamentale et très pertinente,
elle est déjà présente dans les critiques des anthropologues féministes au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, mais je pense que tu l'as fait de la place que tu as justement dans ce champ théorique des féminismes décoloniaux. Ta critique sur cette université blanche, masculine, hétérosexuelle, classe des élites, etc., dans les plusieurs pays d'Amérique latine, notamment au Brésil, elle est très très pertinente. Et si on pense au moins, par exemple, là, dans mon département d'anthropologie, à Florianópolis, en plus, on a fait... Bon, j'essaie d'être très, très... d'expliquer, après, si c'est pas très clair. Bon, on a voulu faire des concours pour des personnes non blanches. Mais, même s'il y a une loi au Brésil qui exige que 30% des places dans les concours publics soit pour des personnes noires, qui s'autodéclarent noires. L'université ne nous a pas autorisé de faire un concours pour une personne, pour que ce soit dirigé pour une personne noire ou pour une personne d'origine indienne. Parce que ça devait être par tirage au sort. Et dans le tirage au sort, le concours du département d'anthropologie n'avait pas été tiré au sort. Donc, on ne pouvait pas avoir comme préférence la couleur. Donc, juste pour vous montrer la complexité, il y a une loi qui exige que 30% des nouvelles entrées soient pour des personnes non blanches, mais dans la pratique, ça ne se passe pas. Et selon plusieurs travaux qui existent au Brésil, on continue à avoir moins de 10% des profs dans toutes les universités publiques fédérales brésiliennes non blancs. Donc, ta critique, quand tu travailles en montrant justement de ton point de vue théorique et militant et activiste sur qu'est-ce que c'est cette université qu'il faut décolonialiser, c'est vraiment cette université, elle est là depuis la colonisation, depuis le début au Brésil au moins, depuis le 19e siècle, que c'est quand les universités ont été créées, elle est toujours très très présente. Bon, en revenant sur les travaux, sur tes travaux, et je vais lire là parce que je ne suis pas très bonne pour me rappeler des titres des livres, toujours dans mes classes, c'est tel livre, plus ou moins, le titre est top, etc. Mais je voulais te dire que j'aime beaucoup plusieurs de tes travaux, mais entre autres, là, je vais me rappeler des premiers travaux que tu as écrits, que s'appelle « Las mujeres afro-dominicanas, interrelación entre las variables género, etnia, classe et une vision féministe ». C'est déjà un travail des années 90, donc 80 ou 18. Comme tu disais, plusieurs d'entre nous et moi-même, je me place dans celle qui n'ont découvert que ces discussions que dans les années 2000. Et là déjà, dans les années 90, c'était déjà des questions très présentes. Sans doute, une autre chose importante aussi de ta trajectoire que je n'ai pas parlé, Oshi a été une des organisatrices de la première rencontre latino-américaine et caribéenne des femmes noires, latino-américaine, etc., qui est vraiment un moment, disons, c'est un début d'une organisation du féminisme, des féminismes noirs, très importante, et tu étais déjà là au départ, et comme je le dis, comment tu as dit pour les phytoestrogènes, j'ai beaucoup aimé les fourmis, non? Comment tu dis pour les gens qui travaillent À cheville ouvrière. À cheville ouvrière, je vais noter cette catégorie que je ne connaissais pas, mais je sais que sûrement, tu étais là aussi dans cette place, parce que quand on est féministe et qu'on organise n'importe quoi, on travaille surtout les domaines. Donc, je pense que là, c'est vraiment très intéressant et je te vois à l'intérieur donc, des féminismes noirs, des coloniaux, lesbiens d'Amérique latine et des Caraïbes, comme vraiment une des premières auteurs et des plus reconnues et importantes. Dans ce que justement Capucine en parlait,
que c'est tout d'abord, comment on a découvert aussi au Brésil ces questions, c'était par celles et ceux, même étant latino-américains, mais qui vivaient aux États-Unis. Donc, il y a notre collègue Claudia Lima Costa, dont tu connais aussi, qui a tout un travail, qui a créé toute une discussion sur justement comment se passe ce voyage des théories et comment, quand on, les théories elles voyagent, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi passer par les États-Unis donner une espèce de légitimité. Et ce que j'admire beaucoup dans ton travail, c'est justement que tu n'es pas passé par là. Je ne vois pas ta légitimation par cette pertinence à une université nord-américaine et surtout de la langue nord-américaine. Bon, je sais que mon temps est déjà en train de finir, mais je voulais dire bon, que te remettre, je pense que, et cette semaine ici, je pense que c'est très important. Je remercie justement Jules et Capucine qui t'amènent ici. Je pense qu'on te replace, et moi, je me sens vraiment très honorée de pouvoir être là dans ce moment. C'est un moment aussi politique de te replacer aussi dans cet espace de une pionnière de la pensée justement décoloniale, dans plusieurs de ces catégories. Je te cite là aussi parce que je trouvais très très intéressant ta définition sur qu'est-ce que c'est donc ce féminisme décolonial, où tu disais qu'il a plusieurs sources. Les féminismes noirs sont une des sources, mais aussi les féminismes lesbiens, mais aussi les féminismes amérindiens, indigènes, surtout dans leur côté collectif, que je sais que c'est quelque chose aussi de très important dans ton travail, tu en as parlé l'autre jour, et qui est une marque au moins des féminismes desquels je pratique, que c'est la clarté qu'on ne produit rien toute seule. Tout ce qu'on produit, c'est le fruit des dialogues, et notre travail, il est forcément un travail collectif. Et donc ça, tu le reprends aussi beaucoup de cette idée aussi de féminisme communautaire qui est très présent en Amérique, dans les Amériques en ce moment. Et en plus, tu reprends, mais là aussi, c'est quelque chose dont je sais que Jules en travaille beaucoup, mais que c'est cette critique justement à cette appropriation des féminismes plus révolutionnaires, plus libertaires, plus anticapitalistes, antipatriarcaux, etc., par ces grands organismes internationaux, genre Fondation Ford, etc., qui pasteurisent, qui transforment, et en plus, là, en voyant, par exemple, même, j'étais en train d'essayer de connaître un peu plus sur l'IHEL, dont je ne connais pas beaucoup, et en écoutant Capucine et en voyant dans les archives pour le moins virtuelles, et je me rappelle aussi que toi aussi tu travaillais dans un genre de développement, je suis vraiment toujours choquée, là, en tant que des pays sous-développés, parce que c'était ça. Comme moi, j'ai été formée en France dans les années 80, moi j'avais pas de place dans l'anthropologie ici, puisque je travaillais sur le Brésil, mais pas sur les Indiens. Mais j'étais américaniste, mais pas américaniste, parce que je travaillais sur l'anthropologie urbaine, féminisme et tout, ça n'avait pas de place dans cette catégorie. Mais souvent, on me plaçait dans la catégorie justement de développement. Ah, Brésil, genre et développement, ce que tu fais. Et moi, je n'ai jamais rien compris. Je pense que là, tu fais aussi une critique très intéressante de... Parce que c'est un concept qui donne de l'argent. C'est un concept qui est utilisé comme un mot-clé dans les projets que les ONG et tout doivent faire pour avoir du fric au fin fond d'Amazonie, etc. Il faut utiliser cette catégorie. Donc tu montres aussi que cette pasteurisation dans ce que tu as créé, ta construction de féminisme décolonial, de ce féminisme qui finalement doivent produire des projets, des discours qui s'adaptent à ces questions-là.
Mais là, c'est là que j'aimerais aussi que te provoquer un peu plus, parce que je pense que ça peut arriver, oui, pour des financements internationaux, mais je vais plaidoyer que, par exemple, je crois que, au moins au Brésil, heureusement, dans les pour les agences de financement CAF et CNPq, qui sont les nationales, et après il y a les d'autres, c'est pas ça que se passe. Au contraire, je pense que, heureusement, on a eu, au moins jusqu'au gouvernement Bolsonaro, là, c'est un peu différent par cas, parce qu'on n'a pas le temps de parler, un espace où, disons, c'était justement l'argent, le fric de l'État qui nous a permis des choses comme le Fasanogène, des rencontres comme le Fasanogène, pas la... secrétaria de políticas para as mulheres, avec Nilceia Freire, etc. Donc, j'aimerais aussi en discuter un peu plus, t'écouter un peu plus sur cela, parce que est-ce que pendant les 13 ans de gouvernement Lula et Dilma, on a eu un féminisme d'État? Oui. Mais est-ce que ce féminisme d'État a tué le mouvement? Je dirais non. Je pense que là, c'est un peu différent. Je pense qu'on a eu un féminisme d'État qui a au contraire soutenu et même fait grandir, etc. Bon, je finis juste pour dire que donc un des premiers textes, en te rappelant donc que c'était en 98, et puis bon, toujours tu étais déjà là en train de nous apprendre qu'il fallait être intersectionnel, mais en rappelant que ces concepts d'intersectionnalité qui finalement vient au Brésil par Patricia Hill Collins, Kimberly Crenshaw, les Américains, il était déjà présent au Brésil, pas avec ce mot, mais dans ce conseil, les travaux de Beatriz Nascimento, Lélia González, ces féministes noires qui ont été effacées de l'histoire du féminisme brésilien et qui maintenant, heureusement, commencent à être reconnue justement par le biais des féministes noires. Juste pour finir, dire que j'aime beaucoup aussi ton livre, bon, tes livres sur le patriarcat. Même hier, j'étais dans un dialogue international de la World Conference of Anthropological Associations sur genre et anthropologie avec des collègues de partout dans le monde. Et une des questions qu'on discutait, c'était le patriarcat. Et en se disant de combien... Une constatation, donc toi tu as été une de celles qui a redonné valeur au concept de patriarcat en Amérique latine et des Caraïbes. Et justement ce qu'on disait, c'est que maintenant on écoute, le patriarcat arrive dans nos cours de genre à l'université par les étudiantes qui viennent justement de la caille, de l'internet, de tout, où c'est un concept activiste très fort. Et là je vois combien des travaux comme le tien entrent dans les réseaux sociaux, dans ces mouvements qui ne passent pas forcément par les universités. Donc, tu as des écrits sur cette question depuis des années 2000, etc. Et puis je disais que je trouve aussi fondamental tout ton travail sur la lesbianité, féminisme lesbien, et tout ce que tu nous as apporté dans ce sens, en montrant bon, combien c'était une question fondamentale, où dans les féminismes latino-américains, et je peux parler, bon, ça j'ai déjà dans les années 80, j'avais déjà écrit dans ma thèse il y a très longtemps, que dans le féminisme brésilien des années 80, 70-80, la question lesbienne n'existait pas. C'était pas qu'il n'y avait pas de lesbiennes, il y en avait plein dans les mouvements, mais on ne pouvait pas en parler parce que ça allait diviser ou c'était quelque chose dont on n'en parlait pas. Et c'est seulement, et je me rappelle, juste, je vais finir là, d'une anecdote, on a eu, par le féminisme d'État, par la secrétaire du Collège des Mulheres, la première rencontre des laboratoires de genre, c'était 2008 peut-être, fin des années là, 2000, et c'était une revendication des jeunes féministes
que sur le CV, l'ACES, pour les Brésiliennes qui sont là, elles savent, c'est notre système national de curriculum, que soit noté si on était lesbienne ou pas. Tu vois? Et là, il y a eu une grande discussion. J'étais là, moi, Maria-Luisa Ribon et d'autres. On se disait, mais les filles, c'est mieux que ce ne soit pas écrit. Comme ça, on peut être dans les situations de pouvoir. Mais il y avait un débat, justement, visibilité, invisibilité, sur cela. Et je pense que je suis vraiment très contente de voir que cette question, elle est déjà dépassée. Et que maintenant, dans tous mes cours, dans toutes les situations, après présentation, toujours, je suis lesbienne, je suis bisexuelle, je suis trans. Ça, c'est entré dans le quotidien. Ce qui, il y a 30 ans, 40 ans, c'était absolument impensable et indisable. Je ne sais pas si on peut dire ça, on ne pouvait pas en parler. Tu vois, indicible, merci. Tu vois, c'était. Et je crois que tout ton travail et de tout le groupe dans lequel tu es en train d'influencer, il est vraiment très présent maintenant dans la vie concrète des activistes, au moins du Brésil, que je connais. Je veux vraiment te remercier de tous tes apports théoriques, conceptuels et des provocations que tu nous fais depuis quelques décennies pour qu'on se déplace de cette position hiérarchique de blanche, classe moyenne, etc., de laquelle je me suis construite et dont j'ai vraiment très besoin d'être. Je sens que c'est fondamental d'être déplacée en permanence par mes étudiantes, par les gens avec qui je travaille, de cette place, qui c'est pas la place dont je veux y être. Merci. C'est moi. Est-ce que tu as compris? Je ne sais pas. Vous comprenez? Si, si. Si, si. Bonjour à tous. Je ne parlais pas français bien pour une conférence. Alors, Jules, fais la traducción. Pero ante todo quiero agradecer primero a Jules por toda la organización en este espacio y para este encuentro. Si quieres. Pardon. Elle me remercie pour toute l'organisation, pour cet espace. A Capuchin, a Miriam por esas palabras. Elle remercie Capucine et Myriam pour ces mots. Et à Guillaume también pour ser parte de l'organisation et l'apertura à cette possibilité. Et Guillaume aussi qui fait partie de l'organisation et de la possibilité que tout ça ait lieu. Et je profite pour rajouter notre laboratoire, le LLCP, qui t'a invité. Mm-hmm. En general no me gusta leer conferencias, pero para facilitar la traducción. En general, j'aime pas lire les conférences, mais là pour faciliter la traducción. Entonces voy a leer y Jules y yo vamos a hacer un párrafo en castellano, un párrafo en español, en francés. Elle va lire et on va faire un paragraphe chacune, disons. Je vais traduire par paragraphe ce qu'elle dit. Espero que se motiven al final para hacer un diálogo. Et j'espère que vous vous motiverez à la fin pour faire un dialogue. Yo llamé a esta presentación la construcción de un proyecto de liberación desde el feminismo decolonial. J'ai appelé cette présentation la construction d'un projet de libération à partir du féminisme décolonial. Tout le monde entend bien? Tout va bien? Divido esta presentación en varias partes. Je divise cette présentation en plusieurs parties. En la primera, explico lo que es el feminismo decolonial con el propósito de que se entienda sus bases fundamentales. Donc dans la première partie, j'explique ce que c'est que le féminisme décolonial dans le but qu'on comprenne les bases fondamentales de cette proposition. Posteriormente voy a caracterizar algunos elementos claves de lo que yo pienso, lo que está sucediendo hoy en América Latina. Ensuite, je vais caractériser des éléments clés, ce que je pense être des éléments clés du moment actuel en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et pour último, quiero proposer quatre pistes.
Et en dernier, je veux proposer quatre pistes qui nous aident à construire un projet de libération desde el feminismo décolonial. Qui nous aide à construire un processus de transformation et de libération à partir du féminisme décolonial. Pardon, mais si elle dévient un tout petit peu du texte, moi je suis en train de traduire le texte, donc c'est pour ça que quelquefois certains mots ne sont pas les mêmes. C'est l'idée. Ok, les premiers pactes, le féminisme décolonial. El feminismo decolonial es una corriente teórico-política que surgió en Abya Yala, pero que se ha extendido a otras latitudes, su impacto no solo para las feministas, sino para sujetos múltiples que han padecido los efectos de la colonialidad es indudable y se debe precisamente a que ofrece explicaciones a su subalternidad y a las condiciones históricas que la crearon. Le féminisme décolonial, donc première partie, c'est un courant théorique politique qui est né en Abya Yala, mais qui s'est étendu sous d'autres latitudes. Son impact, pas seulement pour les féministes, mais aussi pour les sujets multiples qui ont souffert des effets de la colonialité, est indubitable. Et on le doit précisément à ce qu'il offre des explications à ces personnes, donc à ces féministes et aux sujets multiples. Il offre des explications à leur subalternité et aux conditions historiques qui ont créé ces subalternités et qui ont créé ces groupes. El feminismo decolonial no se trata de una propuesta salida de la academia, aunque este sea un escenario donde también se ha dado a conocer, sino que, por el contrario, es producto de la construcción colectiva de activistas y pensadoras que se nutre de saberes afros, indígenas, populares, autónomos, lésbicos, feministas, campesinos, y se engarza con el giro y o proyecto decolonial. Donc le féminisme décolonial, ce n'est pas une proposition qui vient de l'académie, de l'université, même si c'est un des scénarios où il s'est fait connaître. Mais au contraire, c'est le produit de la construction collective d'activistes et de penseuses qui se nourrit de savoirs afro, indiens, populaires, autonomes, lesbiens féministes, paysans, et qui se noue en quelque sorte avec le tournant ou le projet décolonial. El nombre de feminismo decolonial se lo debemos a la argentina en Estados Unidos, María Lugones, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, posicionada allí como mujer de color en ese contexto. Desde su concepto, sistema colonial de género, criticó la lógica categorial dicotómica y jerárquica central para el pensamiento capitalista colonial que devino de la separación entre lo humano y lo no humano, donde lo humano ha sido representado por hombre blanco, moderno, europeo, burgués, colonial, heterosexual, cristiano, asumido como civilizado, y los pueblos indígenas y africanos esclavizados, es decir, los colonizados, fueron considerados no humanos, por tanto, asumidos como bestias y salvajes, y por consiguiente, no tenían género. Donc le nom de féminisme décolonial, le terme, on le doit à l'Argentine qui a vécu de nombreuses années aux États-Unis, María Lugones, son texte de 2008. Et aux États-Unis, elle était, là où elle a vécu pendant longtemps, elle était positionnée comme femme de couleur dans ce contexte. Donc c'est son concept de système colonial de genre dans lequel elle critique la logique de catégorisation dichotomique et hiérarchique qui est centrale pour la pensée capitaliste coloniale et qui a dérivé vers ou sur la séparation entre humain et non-humain, où l'humain a été représenté par l'homme blanc, moderne, européen, bourgeois, colonial, hétérosexuel, chrétien, assumé comme ou considéré comme civilisé, et de l'autre côté, les peuples autochtones et africains esclavisés, mis en esclavage, c'est-à-dire les colonisés, qui étaient considérés comme non-humains, et donc considérés comme des animaux, des bêtes sauvages ou des sauvages, et de ce fait-là, ne possédaient pas de genre. Obviamente, luego se va produciendo un proceso de patriarcalización conjuntamente con el racismo y el clasismo. Et après ça, se produit progressivement un processus de patriarcalisation en lien avec des logiques racistes et classistes. Lo anterior pone en cuestión postulados centrales del feminismo clásico y conocido, desde donde se entiende que todas las mujeres sufren un tipo de opresión centrada en el género, desde experiencias blancas, heterosexuales, europeas y norteamericanas,
y desde privilegios de raza y clase, tal como ya lo habían explicado las feministas negras. Est-ce qu'on fait un petit peu plus court que tout un gros paragraphe, ça vous paraît mieux aussi? Donc tout ça, ça met en question les postulats centraux du féminisme classique et connu, à partir desquels, ou depuis lesquels on comprend que toutes les femmes souffrent un type d'oppression qui est centré sur le genre, et centré sur des expériences en fait blanches, hétérosexuelles, européennes et nord-américaines, et à partir de privilèges de classe et de race. Comme l'ont expliqué avant les féministes noires, c'est-à-dire Por lo tanto, para Lugones, este universalismo del feminismo hegemónico en torno a la categoría mujer en singular oculta una relación entre la construcción del género y el colonialismo, que se sintetiza en lo que la autora denominó colonialidad de género. Vencer esa colonialidad de género es lo que Lugones llamó feminismo decolonial. Donc pour Maria Lugones, cet universalisme du féminisme hégémonique autour de la catégorie femme au singulier cache le rapport entre la construction du genre et le colonialisme, qui est synthétisé dans ce que l'autrice Maria Lugones appelle la colonialité du genre. Vaincre cette colonialité du genre, c'est ça que Lugones appelle le féminisme décolonial. Estos aportes de Lugones han sido claves para nosotras. Sin embargo, desde nuestras experiencias, el feminismo decolonial se ha construido desde diferentes prácticas políticas y se nutre de diferentes fuentes. Donc ces apports de Lugones ont été tout à fait clés hein, pour nous, mais en même temps, dans notre expérience, le féminisme décolonial, il s'est construit depuis nos propres pratiques politiques et depuis différentes sources, il s'est nourri à différentes sources. Por un lado, el feminismo negro de Estados Unidos y también el nuestro de Abby Ayala. Desde experiencias situadas y encarnadas, las afrofeministas hemos colocado en el centro de la teorización y práctica feminista el racismo y el clasismo, explicando cómo la opresión de ciertas mujeres no se explica solo con base al género. Desde varios conceptos, simultaneidad de opresiones del colectivo Río Combají, matriz de dominación, Gil Collins, interseccionalidad, Crenshaw, fusión, Lugones, hemos profundizado en la imposibilidad de separar la raza, la clase, el género, la sexualidad en la experiencia de mujeres negras o afrodescendientes. El feminismo decolonial avanza en no solo entender esto como experiencias concretas, sino como esta matriz de dominación produce, fueron producidas, es decir, estas marcaciones fueron producidas en el proceso colonial y la posterior colonialidad. D'un côté, le féminisme noir des États-Unis et de Abby Ayala, donc première source, à partir d'expériences situées et en chair et en os, les afroféministes, nous avons mis au centre de la théorisation et de la pratique féministe le racisme et le classisme, en expliquant comment l'oppression de certaines femmes ne peut pas être expliquée seulement sur la base du genre. À partir de plusieurs concepts comme simultanéité des oppressions, donc le collectif de Río Combají, matrice de domination, Gil Collins, intersectionnalité, Crenshaw, fusion, Lugones, nous avons approfondi les débats à propos de l'impossibilité de séparer la race, la classe, le genre et la sexualité dans l'expérience des femmes noires et afrodescendantes. Le féminisme décolonial avance, permet d'avancer pas seulement pour comprendre comment cette matrice de domination produit différentes expériences et identités particulières, mais aussi comment elle explique comment ont été produits des marques et à partir de ces marques, la façon dont ont été établies des hiérarchies et des inégalités à partir du processus colonial et ensuite de la colonialité. El feminismo decolonial, que es otra fuente, retoma las propuestas hechas por el lesbianismo feminista. Esta corriente, basándose en las propuestas feministas materialistas francesas, precisamente, entiende la heterosexualidad como un régimen político basándose fundamentalmente en los aportes de Morivitic. Lo que significa que la heterosexualidad no es una sexualidad más dentro de la diversidad de prácticas sexuales y homoeróticas, sino que se trata de todo un sistema, un régimen que se basa en la diferencia sexual y apropia a las mujeres como clase e invisibiliza a las lesbianas.
con base a ello, el feminismo decolonial entiende que este régimen heterosexual se instaló en Abya Yala desde el mismo proceso colonial europeo, conformando los estados nacionales y las instituciones que les avalan, como por ejemplo el matrimonio, la familia nuclear, la monogamia, así como la nacionalidad, la ciudadanía y los mismos conceptos de hombre y mujer vistos como complementarios y reproductivos. Le féminisme décolonial reprend comme autre source les propositions du féminisme lesbien ou du lesbianisme féministe. Ce courant se base sur les propositions des féministes matérialistes qui comprennent l'hétérosexualité comme un régime politique, donc tout particulièrement Wittig. Comprendre l'hétérosexualité comme un régime politique, ça veut dire que l'hétérosexualité n'est pas vue comme une sexualité parmi d'autres, dans une diversité de pratiques sexuelles et homoérotiques, mais qu'il s'agit bien de tout un système ou régime qui se base sur et qui construit la différence sexuelle en appropriant les femmes en tant que classe et en invisibilisant les lesbiennes. Sur cette base, le féminisme décolonial comprend que le régime hétérosexuel s'est installé en Abya Yala à partir du même processus colonial européen, du même processus de formation des États-nations et des institutions qui soutiennent ces États-nations, notamment le mariage, la famille nucléaire, la monogamie, et aussi la nationalité et la citoyenneté, et aussi les concepts d'hommes et de femmes vus comme complémentaires et reproductifs. En fait, là, elle n'a pas dit, mais elle s'appuie sur son propre travail de 2013, son livre qui s'appelle « La nation hétérosexuelle ». Otra de las fuentes principales es la corriente autónoma construida en la década de los 90, que cuestionó la institucionalización del feminismo producto de la imposición de agendas transnacionales por parte de países del norte, del Banco Mundial, de la Agencia Interamericana del Desarrollo, desde donde surgieron las ONGs, la política del desarrollo y el discurso de la universalización de los derechos humanos que condicionó la agenda de los movimientos sociales, en particular el feminista. Propusimos que era necesaria una política autónoma material y políticamente, pues era lo que evitaba la dependencia de la cooperación y de los estados. Si bien las feministas autónomas entendíamos que eso se debía a una relación de dependencia y desigualdad entre el norte y el sur, el feminismo decolonial avanza en entender cómo esa relación geopolítica no ha sido más que una continuidad colonial, pues desde el discurso del desarrollo en el que se adscribió el feminismo institucional, se asume que hay pueblos, comunidades, personas que no tienen capacidad de autodeterminarse a sí mismos, en particular las mujeres racializadas, obviamente, sino que son las feministas del norte quienes definen cuál es la ruta a seguir en sus vidas y sus proyectos desde una visión de progreso, donde el punto de partida es la experiencia europea y norteamericana. Donc, troisième source, c'est le courant féministe autonome construit dans la décennie des années 90 qui a mis en question l'institutionnalisation du féminisme produite par l'imposition des agendas transnationaux de la part des pays du Nord, Banque mondiale, Agence interaméricaine de développement, ce qui a produit l'ONGisation, les politiques de développement et le discours de l'universalisation des droits humains, qui a conditionné l'agenda des mouvements sociaux, en particulier du féminisme. Nous avons proposé en tant qu'autonome qu'il était nécessaire d'avoir une politique autonome, aussi bien sur le plan matériel que politique, et que c'était ça qui éviterait la dépendance de la coopération par rapport à la coopération internationale et aux États. Même si nous, en tant que féministes autonomes, on a fait l'analyse que tout ça, c'était dû à un rapport de dépendance et d'inégalité entre le Nord et le Sud, nous ensuite, les féministes décoloniales, nous avons avancé par le fait de comprendre que cette relation géopolitique de dépendance nord-sud était en fait rien d'autre qu'une continuité de la colonialité et du colonialisme. Puisque le discours du développement, dans lequel s'inscrit le féminisme institutionnel, suppose que et considère qu'il y a des peuples, des communautés et des personnes, en particulier racisées, qui n'ont pas la capacité de s'autodéterminer, notamment donc les personnes, les femmes et les personnes racisées, les femmes racisées. Et que ce sont les féministes du Nord qui doivent définir quel est le chemin qui doit être suivi dans nos vies et quels sont les projets qui doivent être appliqués depuis une vision basée sur l'idée de progrès ou le point de départ, plutôt le point d'arrivée, c'est l'expérience européenne et états-unienne. El feminismo decolonial, otra fuente, reconoce aportes importantes del feminismo postcolonial con sus análisis sobre la representación de las mujeres del llamado tercer mundo, construida por académicas feministas occidentales quienes
en general la consideran solo como víctima de la violencia masculina, dependientes y objetos de la opresión de género, negándole su posición de sujeto y agencia. Quatrième source, le féminisme décolonial reconnaît les apports importants du féminisme postcolonial, notamment ses analyses sur la représentation des femmes du tiers-monde, entre guillemets, construites par les universitaires féministes occidentales qui, en général, les ont considérées seulement comme les victimes de la violence masculine, comme dépendantes et comme objets de l'oppression de genre, en niant leur position de sujet et leur agentivité. El feminismo decolonial también retoma los aportes de mujeres y feministas indígenas y de origen indígena que han generado pensamientos y acciones de acuerdo a sus cosmovisiones y experiencias particulares. En primer lugar, nos han enseñado que en el pueblo maya, por ejemplo, el binarismo de género, los conceptos de hombre y mujer no existieron antes de la colonización, un aporte de Aura Cumes, lo cual permite entender cómo el género se fue construyendo en el proceso colonial tal y como también lo sostuvo Lugones. Nos han aportado a entender la importancia de la lucha comunitaria para entender los efectos de todos los sistemas de poder. Algunas, sin llamarse feminista, precisamente por el sesgo blanco y racista de esta que esta categoría ha contenido, han hecho una crítica al separatismo de las feministas blancas, precisamente porque sus propuestas de vida siempre han sido colectivas, en sus territorios comunitarios, y es desde allí donde deben hacer sus luchas frente al racismo, al sexismo, al heterosexismo de la sociedad en general y también al interior de sus mismas comunidades. J'ai une toute petite question. ¿Es que hay alguien que no comprenne pas l'espagnol? Ok, donc la traducción procede. Donc, pregunté si todo el mundo... Sí. Le féminisme décolonial reprend aussi les apports de femmes et de féministes indiennes ou autochtones ou d'origine autochtone qui ont produit des pensées et des actions selon leur cosmovision et leurs expériences spécifiques ou particulières. En premier lieu, elles nous ont appris que, par exemple, dans le peuple maya, le binarisme de genre, les concepts d'hommes et de femmes n'existaient pas avant la colonisation. C'est un apport de Aura Cumes du Guatemala. Ce qui permet de comprendre que le genre a été construit dans le processus colonial, comme l'a soutenu Lugones. Elles nous ont apporté aussi la compréhension de l'importance de la lutte communautaire pour faire face aux effets de tous les systèmes de pouvoir. Certaines, même si elles ne désirent pas s'appeler féministes, précisément à cause du biais blanc et raciste que cette catégorie contient, ont fait une critique du séparatisme des féministes blanches, précisément parce que leurs propositions de vie, donc des femmes autochtones, ont toujours été collectives dans leur territoire communautaire et que c'est à partir de là qu'elles font et qu'elles doivent faire leur lutte contre le racisme, le sexisme et l'hétérosexisme de la société en général et de leur propre communauté. Ok. La otra fuente importante del feminismo decolonial, y no voy a abordar mucho esto porque creo que está más familiarizada con la propuesta del proyecto Colonialidad-Modernidad. Pensaba que ya estaba en francés. No, no, c'est pas en francés, je le lis pas encore en francés. Es que es una buena traductora. Wow, c'est impressionnant. Sí. Bueno, la otra fuente, voy a sintetizar, es lo que se llama el giro decolonial o lo que es el proyecto Modernidad-Colonialidad, que creo que ya Capucine dijo algo sobre eso. Donc l'autre source, je pense que vous la connaissez, en plus Capucine en a déjà parlé, donc je vais synthétiser, c'est la partie du tournant décolonial, mais je pense que donc je vais synthétiser. Es una propuesta que retoma fundamentalmente tradiciones críticas como la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación, los análisis de MCCR, de Fanon, los análisis de Immanuel Wallenstein sobre el sistema mundo. Donc le tournant décolonial. Gracias. Sí, 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 yo sé. Le tournant décolonial est apparu dans les premières années du 21e siècle en incluant un ensemble de débats sur la modernité et la colonialité. Ça reprend des traditions critiques comme la théologie de la libération, la théorie de la dépendance, la philosophie de la libération, les analyses
clés de Aimé Césaire, de Frantz Fanon, les apports de Wallerstein sur le système monde, entre autres. Desde este giro se entiende que desde 1492 Feña que remite el inicio de la colonización en las Américas, además entrando por el Caribe, además entrando por la isla donde yo nací. Europa se hace el centro de la historia mundial y crea otros pueblos y otras culturas como su periferia. De allí surge un etnocentrismo europeo con carácter universal que derivó en jerarquías sociales, raciales, de sexo, etc. Donc dans cette perspective du tournant des coloniales, ce qu'on comprend, c'est qu'à partir de 1492, la date qui marque le début du colonialisme dans les Amériques, et en plus entrée par les Caraïbes, et en plus entrée par l'île où elle est née, l'Europe devient, se transforme en centre de l'histoire mondiale et crée les autres peuples et les autres cultures comme sa périphérie. Et c'est de là qu'apparaît un ethnocentrisme européen à caractère universel qui dérive sur des hiérarchisations sociales, raciales, de sexe et de sexualité. Un concept clave para nosotras como feministas de coloniales es el de colonialidad, que es acuñado por el peruano Aníbal Quijano, que explica la vinculación del proceso de colonización de las Américas y la constitución de la economía mundo capitalista como parte de un mismo proceso histórico iniciado en el siglo XVI hasta hoy día. La colonialidad es la exterioridad constitutiva de la modernidad occidental, es decir, es la cara oculta, ¿no? Pero que una responsabilidad nuestra como feministas de coloniales y como de coloniales es visibilizar esa cara oculta. Un concept important du tournant décolonial, c'est pour nous les féministes décoloniales, le concept de la colonialité proposé par le péruvien Aníbal Quijano. C'est un concept qui explique le lien entre le processus de colonisation des Amériques et la constitution de l'économie monde capitaliste comme un même processus qui commence au XVIe siècle et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc la colonialité, en fait, c'est l'extériorité constitutive de la modernité occidentale. C'est le visage caché que précisément nous nous attachons à rendre visible. El feminismo decolonial es entonces un punto de inflexión que propone una revisión profunda de sus postulados, propuestas y conceptos del feminismo blanco, hegemónico, con su centralidad en el género y que no complejiza la matriz de opresión de raza, de clase, nacionalidad, etc. También esta crítica la hemos hecho a la izquierda, latinoamericana y caribeña, pero creo que a toda la izquierda a nivel mundial que sigue basando sus postulados en la clase como su determinante. Donc le féminisme décolonial, c'est un point d'inflexion qui propose une profonde révision de ses postulats, donc des postulats coloniaux, des postulats et des propositions et des concepts du féminisme blanc hégémonique centralisé sur le genre et qui ne complexifie pas la matrice d'oppression de race, de classe, nationalité, etc. Cette critique, on l'a aussi faite à la gauche latino-américaine et des Caraïbes et à la gauche dans le monde entier qui continue à baser ses postulats sur le déterminant de la classe comme déterminant ou le déterminant de la classe. El feminismo decolonial no es solo una propuesta teórica y analítica, aunque también lo es, sino que implica un hacer colectivo fuera de las instituciones coloniales como los estados y la cooperación internacional, incluso la misma academia. Más allá de que estos pensamientos estén allí. Esta acción política es autónoma, autogestionaria, desde prácticas políticas descolonizadoras. Donc le féminisme décolonial, ce n'est pas seulement une proposition théorique et analytique, même si ça l'est aussi, mais c'est quelque chose qui implique de faire du collectif à l'extérieur des institutions coloniales, comme peuvent l'être les États et la coopération internationale, et même l'université, au-delà du fait que la pensée décoloniale se trouve aussi dans ces institutions. Cette action politique, elle est autonome, elle est autogestionnaire et elle se base sur des pratiques politiques décolonisatrices. El feminismo decolonial propone metodologías decoloniales que evite que los sujetos subalternizados sigan siendo los objetos de estudio de quienes tienen el privilegio y el poder académico, haciendo investigaciones para los proyectos políticos y movimientos sociales con el propósito de desengancharnos del síndrome de la colonialidad del saber.
Donc, le féminisme décolonial propose des méthodologies décoloniales qui évitent que les sujets subalternisés continuent à être les objets d'études de celles et ceux qui ont le privilège et le pouvoir académique, en faisant des recherches pour les projets politiques et pour les mouvements sociaux, dans le but de nous décrocher, de sortir du syndrome de la colonialité du savoir. Pero además, el feminismo decolonial no se centra en las mujeres como sujeto de la política, sino en sujetos múltiples que han encarnado lo que Mignolo le llama la diferencia colonial, proponiendo un abordaje y una actuación sobre la matriz de opresión que fue conformándose desde la conquista y la colonización y se aleja de una política centrada en identidades raciales, étniques, de género o de sexualidad, pues considera que esa fragmentación es parte de la modernidad colonialidad. En plus, le féminisme décolonial ne se centre pas sur les femmes comme sujet de la politique, mais sur des sujets multiples qui ont qui ont personnifié la différence que Mignolo a appelé la différence coloniale, en proposant un abordage et une action sur la matrice d'oppression qui s'est formée depuis la conquête et la colonisation en s'éloignant d'une politique centrée seulement sur les identités raciales, ethniques, de genre ou de sexualité, puisque on considère, nous, que cette fragmentation fait partie de la modernité colonialité. Ok, voy a hacer dos partes, no, porque es muy largo, entonces no, creo que no vamos a terminar. Quiero decir varias cosas sobre lo que yo considero que son algunos elementos claves de lo que está pasando en América Latina y el Caribe de habla yala, pero que también yo creo que aplica en esta parte del mundo. Pero lo hacemos como el mundo está. Sí. Donc, elle va sauter, on va faire comme on a fait lundi, c'est-à-dire on va sortir du texte et je vais la traduire plus simultanée. Sur la caractérisation, pardon, d'éléments clés de l'actualité. Después de la década de los 80s, donc depuis la décennie des années 80, que fue definida como la década perdida, définie comme la décennie perdue d'América Latina, sobre todo porque hubo una aceleración de la pobreza, surtout parce qu'il y a une accélération de l'appauvrissement de la région, a partir de todas las políticas transnacionales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, à partir de toutes les politiques économiques du FMI, Banque Mondiale, en la década siguiente, en los 90, donc la décennie suivante, les années 90, fue la entrada del neoliberalismo. Ça a été l'entrée du néolibéralisme. Y eso implicó, digamos, una profundización, digamos, de la pobreza. Ce qui a impliqué un approfondissement de la pauvreté. Pero al mismo tiempo hubo una serie de políticas por parte de los gobiernos, tanto nacionales como transnacionales. Et donc en même temps, il y a eu de la part des gouvernements, aussi bien au niveau national que transnational, une série de politiques. De abrir la participación política a los movimientos sociales. Une politique d'ouverture de la participation politique aux mouvements sociaux. Y eso fue tanto en los estados como también en las grandes conferencias de las Naciones Unidas. Aussi bien au niveau des États qu'au niveau des grandes conférences de l'ONU. Ahí hubo una cooptación, que es lo que denunciábamos las feministas autónomas. Et donc là, il y a eu tout un processus de cooptation, qui est ce qu'on a dénoncé nous les féministes autonomes. Donde muchos de los movimientos sociales dejaron de ser radicales en su propuesta. Ah, qui a fait que beaucoup de mouvements sociaux ont cessé d'avoir des propositions radicales. En esa misma década surge allá lo que es la política multicultural del Estado. Y es la misma décennie pendant laquelle apparaît de notre côté les politiques multiculturelles de l'État. Que es producto tanto de las luchas afrodescendientes indígenas que demandan una participación en el Estado. Y donc c'est le produit double de la lutte des mouvements afrodescendants, indiens, tout ça, qui demandent une participation dans l'État. Y también un reconocimiento como, como parte de la nación que antes les era negado. Et qui demande également une reconnaissance comme quoi ils, elles font partie de la nation alors qu'avant ça leur était nié. En esta década un fenómeno que se que ya venía, pero digamos se fortalece y que hoy es, creo yo, uno de los peores fenómenos que tenemos es el extractivismo transnacional. Et donc pendant cette même décennie se renforce un processus qui existait déjà, mais là vraiment c'est devenu parmi les choses les plus marquantes et les pires qui nous arrivent, c'est le renforcement de l'extractivisme transnational, l'extractivisme minier, hydro, énergétique. Exactamente. Entonces, aquí hay una mercantilización, una privatización de la tierra comunal colectiva. Donc, il y a une mercantilisation, une privatisation des terres communales collectives. Que ha conducido la expulsión de campesinos y campesinas. Qui a produit l'expulsion des paysanneries. A
implicado, digamos, la destrucción de su medio. A impliquer la destruction physique de leur lieu de vie. Et también la mercantilización de los productos culturales, fundamentalmente de las comunidades afros, indígenas y campesinas. Et ça a été aussi la marchandisation de toute leur production culturelle des communautés indiennes, des communautés autochtones et des communautés paysannes. Esto lo hace fundamentalmente las grandes transnacionales, las mayores depredadoras. Donc c'est fondamentalement les grandes transnationales qui sont les plus grandes dépredatrices. Y esto se articula a la militarización a través de grupos armados de narcotráfico. Et donc ça s'articule à la militarisation à travers un groupe armé, narcotrafic. Donde se hace, y la gente que está defendiendo, digamos, este territorio que está afectado por estos fenómenos, son precisamente a quienes están asesinando. Líderes sociales, campesinos, afros e indígenas. Et les gens qui défendent les territoires sont précisément les personnes qui font l'objet d'assassinats, les personnes afro, autochtones et paysans, paysannes. Por tanto, como dice una líder afro de Colombia, Francia Márquez, es un sistema de muerte. Donc c'est comme le dit une dirigeante afro-colombienne, France Márquez, c'est un système de mort en fait. Y esto está articulado a las grandes transnacionales, pero que el Estado-Nación tiene un papel fundamental en abrir las posibilidades de que esta inversión entre a la mayoría de nuestros países. ¿No? El Estado es cómplice y parte de esta... Ok, c'est les grandes transnationales, mais en fait, c'est vraiment marquant le fait que c'est l'État qui ouvre les portes à ça et qui est complice en fait de ce processus et qui ouvre le champ aux multinationales. Et à pesar de que, à partir de 2009, il y a eu différentes manifestations, mobilisations dans différents pays. Et même si depuis 2009, il y a eu des mobilisations et des manifestations dans différents pays. Contra la corrupción, contra las transnacionales, contra, por ejemplo, en el caso de Colombia, el no cumplimiento de los acuerdos de paz. Donc, contre la corrupción, contra les transnacionales, y par exemple, en el caso de la Colombia, contra la no mise en œuvre des acuerdos de paz. Pues vino el COVID-19. El COVID-19, por un lado, desmovilizó muchos movimientos sociales, a pesar de que la protesta social continúa. Et la COVID a démobilisé vraiment beaucoup, même si la protestation sociale continue. Pero además recrudeció lo que es la represión del Estado y las fuerzas policiales. Mais aussi, elle a augmenté la force de la répression à la fois étatique et policière. Y obviamente, pues, acentuó el individualismo, a pesar de que todo el mundo decía que iba a ser todo lo contrario. Hay un reforzamiento del sálvese quien pueda. Et ça a aussi renforcé l'individualisme, puisque même si tout le monde a dit le contraire, en fait, ce qui est ressorti le plus fort, c'est sauf qui peut. Ok, ça sont algunos elementos, está mucho más largo, pero para terminar esta última parte, que es la que más me interesa. Donc voilà, il y avait beaucoup d'autres éléments et tout, mais pour aller vers la dernière partie, qui est celle qui m'intéresse, donc voilà, résumé. Entonces, frente a esas situaciones, a esta... Esta coyuntura, que no es coyuntura, es muy, muy estructural, ¿no? Particularmente creo necesario cuatro pistas que son para mí urgentes desde el feminismo decolonial. Donc face à cette conjoncture ou cette situation qui n'est pas une conjoncture hein, pour elle, elle voudrait souligner quatre pistes qui sont très, enfin, qui sont centrales pour elle depuis le féminisme décolonial. En primer lugar, una comprensión compleja de las razones históricas por las cuales se producen las desigualdades sociales y las razones de su recrudecimiento en los últimos años en la región. Esto supone entender que el Estado, o sea, hay que entender el Estado en su historicidad burguesa, eurocéntrica, y que hoy es uno de los mayores responsables en producir, conjuntamente con las transnacionales, el saqueo de los territorios de los saberes y prácticas ancestrales. Donc en premier lieu, premier point, il est nécessaire d'avoir une compréhension complexe des raisons historiques pour lesquelles se produisent les inégalités sociales et les raisons de leur augmentation dans les dernières années dans la région. Et pour ça, il faut comprendre l'État dans son historicité bourgeoise et eurocentrique et le fait qu'il soit aujourd'hui un des principaux responsables dans la production avec les transnationales du saqueo, du pillage, merci, des territoires, des savoirs et des pratiques ancestrales. En segundo lugar, lo anterior nos lleva a proponer que cada vez más necesitamos fortalecer la autonomía de los movimientos sociales
creando nuevas maneras de vivir en lo común. Y eso significa un movimiento de doble vía. Por un lado, reconocer ya las experiencias que ya tenemos hace mucho tiempo en América Latina, en Abya Yala, como por ejemplo el zapatismo en Chiapas, que ha logrado la autonomía de gobierno, de la salud, de la educación, de abordar los conflictos sociales de forma comunitaria o como las experiencias de lo que le llama Gladys Tzul, lo comunal indígena, en torno a experiencias que tienen pueblos indígenas de Guatemala que explican las estrategias, las maneras que muchos de estos pueblos controlan la tierra, el agua, gestionan los gobiernos comunales. Donc, en deuxième lieu, ça nous amène à proposer que chaque fois davantage on fortifie l'autonomie des mouvements sociaux en créant de nouvelles manières de vivre le commun. Et ça veut dire un mouvement dans deux sens. D'un sens, reconnaître les expériences que nous avons déjà en Abya Yala, comme par exemple le zapatisme au Chiapas, qui a réussi à créer une autonomie de gouvernement, une autonomie en matière de santé, d'éducation, qui réussit à aborder les conflits de manière communautaire, ou bien un autre type d'expérience, c'est les expériences du communautaire, entre guillemets, indien, concept proposé comunal indígena, concept proposé par Gladys Tzul au Guatemala, autour d'expériences faites par certains peuples indiens du Guatemala, qui expliquent les stratégies et les manières à travers lesquelles beaucoup de ces peuples parviennent à contrôler la terre, l'eau et à gérer les gouvernements communautaires. Et por otro lado, significa reinventar la vida en común entre personas, pueblos no indígenas que han estado más afectados por la colonialidad, que evite el individualismo liberal y que implique lo productivo, lo cultural y lo social. Et donc l'autre sens, c'est réinventer la vie en commun entre les personnes, merci beaucoup, les personnes et les peuples non-indiens, non-indiennes, qui ont été plus affectés par la colonialité, et de manière à éviter l'individualisme libéral, et ça c'est des projets qui impliquent le domaine productif, le domaine culturel et le domaine social. En tercer lugar, debemos fomentar y fortalecer procesos de descolonización del saber. Debemos desarrollar procesos de formación de forma autónoma y autogestionaria desde nuestros movimientos sociales. Es la única manera de descentrar el saber en las universidades y escuelas, espacios que reproducen la colonialidad del saber. Donc en troisième lieu, nous devons fomenter et fortifier des processus de décolonisation du savoir. Nous devons développer des processus de formation de manière autonome et autogestionnaire à partir de nos mouvements sociaux. C'est la seule manière de décentrer le savoir hors des universités et des écoles, qui sont des espaces qui reproduisent la colonialité du savoir. En cuarto lugar, y finalmente, es urgente una lucha imbricada que evite la segmentación política. Los sistemas de dominación coloniales han producido sujetos particulares, y es por ello que la mayoría de los movimientos sociales se asientan en identidades políticas. Es decir, lo que estoy diciendo es la lógica de la colonialidad-modernidad que produjo el indio, que produjo la gente negra, que produjo las mujeres. O sea, todas estas categorías que se asientan, digamos, en los movimientos sociales en identidades políticas, ¿no? Donc, en quatrième lieu, il est urgent de mener une lutte imbriquée qui évite la segmentation politique. Les systèmes de domination coloniale ont produit des sujets particuliers et spécifiques, et c'est pour ça que la majeure partie des mouvements sociaux sont basés sur des identités politiques, c'est-à-dire toutes les catégories politiques, les femmes, les indiens, les noirs, etc. Tout ça, c'est produit par la colonialité, et en fait, tout ça, ça pose problème en réalité. Estas identidades son importantes para posicionarnos y para construir coaliciones, y sobre todo para entender cómo fuimos históricamente marcados en las jerarquías sociales, pero no pueden ser el centro de nuestra política. Es necesario consolidar un proyecto común de liberación que esté comprometido con una lucha por eliminar todos los sistemas de dominación al mismo tiempo, todos, construido por múltiples sujetos que hemos estado afectados por la colonialidad.
Donc ces identités, elles sont importantes, certes, pour nous positionner et pour construire des coalitions, et surtout pour comprendre comment on a été historiquement marqué dans les hiérarchies sociales, mais elles ne peuvent pas être le centre de notre politique. Il est nécessaire de consolider un projet commun de libération qui s'engage sur une lutte pour éliminer tous les systèmes de domination en même temps. Construit, un projet construit par des multiples sujets qui sont affectés par la colonialité. Un proyecto de liberación para las, les, los, lis condenados del mundo en clave feminista decolonial propone cambios profundos, no simples reformas que se adaptan a las negociaciones coyunturales. Implica darle lugar a una ética de la vida que recupere la colectividad y lo común, lo relacional, los saberes de nuestros pueblos, la religiosidad ancestral, para lograr desengancharnos realmente de todo el síndrome colonial que nos afecta y nos sigue afectando. Merci. Bon, je traduis le dernier petit mot. Un projet de libération pour les condamnés du monde en signe féministe et colonial propose des changements profonds, non pas simplement, des réformes qui s'adaptent aux négociations conjoncturelles. Ça implique de faire place à une éthique de la vie qui récupère la collectivité et le commun, le relationnel, les savoirs de nos peuples, la religiosité ancestrale, pour réussir à décrocher, à produire un réel décrochage de tout le syndrome colonial qui nous affecte. Los aplausos en francés. Muy bien, bueno, si tienen preguntas. Il y a une personne qui est restée assise confortablement au premier rang et que nous appellerions maintenant peut-être. Je peux peut-être poser, lancer une question. Dis-moi pour que les gens qui regardent la caméra. Bon, bah. Alors, attends, je regarde la doubleur qu'il est pour que je sois sûr qu'on est. Ah bah, attends, allez. Et on a jusqu'à. Jusqu'à 10, en tout, jusqu'à 17h et après une heure de verre et tout. Bon, je lance juste peut-être une première petite question comme ça pour engager la discussion et puis ensuite, comme ça, voilà, il y aura le temps. Bon, merci beaucoup, Echi. C'est à la fois très efficace comme reconstruction généalogique et en même temps directement branché sur les. Des problèmes contemporains, enfin, du féminisme décolonial, comme tu le perçois maintenant. Alors, j'ai une question un peu massive, et puis après, on peut décliner ou préciser au fur et à mesure. Et je crois que ça va rejoindre un point, une interpellation de Myriam tout à l'heure, sur la question de ce que tu appelais le féminisme d'État. Je me demande quelle place dans ta reconstruction on pourrait donner à ce que j'appellerais des problèmes internes ou une négativité interne au féminisme décolonial. J'ai l'impression que tu as insisté là sur un seul pôle de négativité qui est la colonialité. Dans ses dimensions historiques au long cours, dans ses dimensions systémiques, structurales, institutionnelles et quotidiennes. Donc colonialité du pouvoir, colonialité du savoir, colonialité du genre. Et je comprends la portée et l'importance militante de bien poser l'adversité sous cette forme radicale-là. Maintenant, est-ce que effectivement la fragmentation que tu évoquais à la fin et qu'il faut surmonter, est-ce qu'elle est uniquement un effet de la colonialité ou est-ce qu'il y a aussi des, ce que j'appelle une négativité interne, enfin, des fragmentations qui sont liées à la dynamique, à la vitalité même du féminisme décolonial? Est-ce que la fragmentation est uniquement un effet de la colonialité
Ou est-ce que aussi il y a des choses, des dynamiques de fragmentation qui viennent du féminisme décolonial lui-même? Je veux dire, concrètement, l'importance donnée par exemple à la localité, à la territorialité, par exemple, des reconstructions communautaires, implique bien, non, une attention à la spécificité locale des problèmes, des historicités aussi à des échelles locales qui peuvent entrer en tension, en contradiction avec d'autres aspirations relevant aussi du féminisme décolonial, mais inscrites dans d'autres territorialités, d'autres historicités. En tout cas, on aurait bien aussi des éléments de fragmentation qui font aussi une dialectique de ce mouvement-là, et avec, j'imagine, des problèmes aussi à surmonter en termes de collaboration, de solidarité entre différentes expériences du féminisme décolonial. Alors, peut-être là, il y a la question de Myriam tout à l'heure. Là, tu nous as adressé une cartographie d'ensemble, disons. Maintenant, si on tient compte des constructions étatiques, alors, d'accord, l'État, d'accord, est une, peut-être, l'institution de la colonialité par excellence. Bon, ça, c'est très bien rappelé. Maintenant, on a aussi des histoires étatiques différentes, ou en tout cas, pas complètement homogènes. Du coup, on a, j'imagine, aussi des dialectiques spécifiques entre mouvements autonomes et institutions d'État, éventuellement partis politiques, dispositifs de la légalité étatique. Et bon, c'est à ça, non? Tu faisais allusion tout à l'heure sur le fait que, selon les contextes étatico-nationaux, on peut trouver plus ou moins de leviers dans l'État pour soutenir, appuyer ou ne serait-ce que protéger contre les forces destructrices des initiatives féministes décoloniales, non? Alors, du coup, ça réintroduit de l'hétérogénéité dans le féminisme décolonial. Et voilà, je me demandais quelle place tu donnais à cette hétérogénéité-là, à l'intérieur de cet élan-là que tu as reconstruit dans son aspect d'ensemble, je dirais, peut-être en homogénéisant, du coup, excessivement. Okay. C'est pas trop confus. Bon, c'est un peu des réactions comme ça à chaud. Oui, si, c'est raide un peu. Bon, pardon. Comme ça vous laisse le temps de préparer des questions maintenant plus claires et plus pointues. Non, c'est. Tu réponds très vite. Deux questions très importantes. Non, c'est si on commence à répondre. Est-ce que vous voulez peut-être on ouvre tout de suite à un ensemble de questions du coup? Oui. Myriam, alors dans l'ordre, un, non, deux, trois, ou... Alors, j'ai déjà parlé, parmi les autres. Ok, je te donne la parole. Oui, eh bien, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je me présente, Pierrette. Ton discours que j'ai compris du coup en français, hein, moi je ne comprends pas l'espagnol. L'espagnol. Pour ma part, je suis de Guadeloupe, d'origine Guadeloupe, Haïti. Et donc, par rapport. Est-ce que tu peux parler plus fort parce qu'elle ne t'entend pas dans le fond? Ou c'est moi que vous n'entendez pas peut-être? Peut-être, si les gens qui parlent devraient s'asseoir ici. Comme ça, bon, aussi pour la transmission, tu ne penses pas? Moi, j'ai dit la question, je peux le Merci. Comme ça, les gens qui sont en train de regarder. Oui, pour les gens qui sont. Oui, voilà. Bonjour. Voilà. Alors, moi je suis Pierrette. Moi je suis d'origine Guadeloupe, Haïti, à côté de Saint-Domingue, notamment. Haïti était aussi Saint-Domingue, et après ils se sont séparés en deux. Voilà. Oui. Et donc, ma question est vous parlez, hein, si j'ai bien compris, en fin de compte, vous regroupez dans ces termes les affectés du colonialisme. Moi, enfin, nous, on a des mots qui pourraient ressembler, c'était les victimes du colonialisme.
Après, c'est pas pour se victimiser, mais c'est le dos. Hein. Et donc, vous avez des paroles, en fin de compte, d'espoir, c'est bien. Après, nous, on a des termes, plutôt, on se reconnaît en tant qu'afro-féminisme. Et on ne dira pas féminisme décolonial, on dira afro-féminisme décolonial. Parce qu'on tient à notre... à préciser qu'on est noir et d'origine d'Afrique, afro-féministe. Donc, il faut, et donc moi, je souhaiterais que les moteurs de, qui ont des paroles telles que vous et que, qui est afro-féministe, pour ma part, vous êtes une afro-féministe. Et donc, il faut le dire, et quand on vous présente, il faut vous présenter comme une afro-féministe, pas une féminisme... Voilà. Juste, ça c'est pour les personnes qui vous présentent. Vous êtes une afro-féministe. Et c'est important pour nous connecter, en fin de compte. Nous connecter celles qui se reconnaissent en tant qu'afro-féministe. Et en France, le mouvement, il est en construction. En tout cas, il s'organise. Et donc... moi, je viens juste, en fin de compte, de vous découvrir, et bien sûr, vos paroles, ils résonnent, ils sont entendables, ils résonnent, et on a des problématiques vraiment attrayées à la France, mais aussi les femmes noires, les afroféminismes. Pardon, parce qu'en fait, les gens qui parlent que l'espagnol n'entendent pas ma traduction. Excusez-moi, du coup, j'ai fait la traduction chuchotée. Bon. C'est qu'il y a un seul cas. Et donc, par rapport au. Oui, mais je ne veux pas laisser le chat traduire, non? Je peux traduire à voix haute. Ok, merci. Donc, quel conseil, moi, je vais venir à la question. Quel conseil aussi parce que, du coup. On a des problématiques intérieures à la France hein, par rapport aux anciennes colonies françaises, de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Voilà. Après, donc, un apport des problématiques, des conséquences du colonialisme en Colombie. Vous avez parlé de la Colombie. Qui sont des pays proches aussi. Donc, comment vous voyez les anciennes colonies françaises, qui sont encore maintenant des départements français, mais on est encore en situation de colonialité. Hein. Par rapport au département français d'outre-mer, qu'est-ce que vous avez apporté par rapport à ça aussi okay. Voilà. Merci. Merci. Y te puedes traducir a ti mismo. Gracias. Perfecto. También por eso voy a hacerlo más en la parte de escuchar la carta. Bueno, gracias, profe. Ochi, por muy interesante. Pero voy a tener la oportunidad de escucharla acá, como les he dicho mil veces en la nacional. Y es muy interesante ver toda la línea de pensamiento. La pregunta que tengo es, bueno, ¿el feminismo descolonial es una práctica teórica, analítica, es una práctica política? ¿Esto que es el feminismo con la vida, que está preguntando los pueblos? ¿Qué implicaciones tiene y los modos de hacer? ¿Esto que es el feminismo con los lugares y preguntan? ¿Qué implicaciones tiene por fuera de la cadena de investigación? Cuando se está en lugares híbridos, cuando se está haciendo investigación y por fuera de la academia en espacios autogestionados, pero también dentro de la academia, ¿qué traducciones tiene esto complejo que es el feminismo decolonial en términos de, por ejemplo, hay una epistemología feminista descolonial, hay una metodología feminista descolonial o incluso hasta qué punto es pertinente pensar en términos de epistemología y de metodología a la hora de pensar la intelectualidad del feminismo descolonial?
Bon, moi je essayais l'exercice de la traduction. Et bon, comme la professeure Rochine nous a déjà bien dit clairement, le féminisme décolonial est avant tout une pratique théorique, une pratique analytique, une pratique politique, qui se caractérise par sa connexion avec la vie tout court, avec la vie concrète, avec les communautés, avec les peuples. Et bon, tout ce qui est le féminisme décolonial, quelles sont les implications que cette façon de s'approcher au féminisme a pour comprendre l'épistémologie? Est-ce qu'on peut parler d'une épistémologie féministe décoloniale? Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça serait? Comment on le définit? Comment on l'approche? Et la même question pour penser la méthodologie. Et même à partir d'une perspective intellectuelle féministe, est-ce que c'est pertinent de chercher à continuer à penser en termes la production intellectuelle en termes d'épistémologie et de méthodologie? C'est ça. Merci. S'il y a une autre question, Alejandro. Une autre question, par exemple, elle veut bien prendre une question de plus. Bon, après, on en fera encore d'autres, hein, mais bienvenue, les autres questions, les autres contributions. Calla para siempre. Moi, je veux. Lo que quería preguntar es que hablar un poco más de cuarto punto, lo que planteas sobre. Bonner, pues Jodid, que lo ves como más individualista, y ahora estamos con la guerra en Rusia y todo. Entonces, me quería que hablara un poco más de cómo ves esto, este individualismo post-Jodid. Je vais demander qu'elle développe un peu plus sur l'après-Covid, dont elle disait que c'était, qu'elle voyait que c'était un individualisme plus fort. Je voulais qu'elle en parle un peu plus. Ok. Bueno. Voy a comenzar por las preguntas de Guillaume. Je vais donc commencer par les questions de Guillaume. Del feminismo decolonial del cual yo hablo. Donc le féminisme décolonial dont moi je parle. Que además, evidentemente, fuimos pioneras en proponerlo. Dont on a été évidemment les pionnières, hein, à le proposer. Como yo hice la genealogía, surge de las prácticas políticas, de como movimientos. J'en ai fait la généalogie, et ça vient vraiment de pratiques politiques en tant que mouvement. Y es importante entender que, aunque en la academia la gente aprenda categorías, análisis del feminismo decolonial, et donc même si à l'université les gens apprennent des catégories à propos du féminisme décolonial, non nécessairement c'est féministe décolonial. On a beau apprendre des catégories et des choses sur le féminisme décolonial à l'université, c'est pas ça qui fait de nous des féministes décoloniales. Porque una cosa es tragar conceptos y categorías y otra cosa es hacer feminismo decolonial en la práctica con los movimientos sociales, en las comunidades. Processus de construire précisément ce projet de libération. Donc, parce que voilà, une chose c'est d'apprendre, d'ingurgiter des théories, et une autre chose c'est de vraiment être féministe décolonial ou apprendre le féminisme décolonial à travers des pratiques concrètes avec des mouvements sociaux dans des communautés, etc. Le féminisme décolonial est à la mode. Et donc, le féminisme décolonial est à la mode. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Porque sucede con todas las teorías críticas que se van, es como en un momento pasó con el género, ¿no? Es decir, fue una teoría crítica en un momento, pero digamos, el mercado académico, el mercado de las producciones teóricas, pues también se va haciendo parte de la academia. Et donc vraiment c'est ça, c'est préoccupant parce que bah, y a des théories critiques qui deviennent à la mode et ça c'est un espèce de marché académique, universitaire comme par exemple les théories du genre à un moment donné, ça a été des théories critiques et puis voilà, et qu'elles sont absorbées. Voilà. Entonces ahí estoy hablando de dos tendencias del feminismo decolonial, una que se limita a la academia, otra que estamos en los movimientos sociales, aunque tengamos un pie en la academia, yo también tengo un pie en la academia. Et donc je parle moi de deux tendances du féminisme décolonial, il y en a une qui est purement académique, et il y en a une autre qui est ancrée dans les mouvements sociaux, même si elle peut avoir un pied dans l'académie, et enfin dans l'université, et d'ailleurs c'est mon cas, j'ai clairement un pied dans l'université.
Entonces, por ejemplo, con Jules hoy hablábamos de las tendencias que yo veo en estos que se, esto que se llama feminista decolonial, además de las académicas y además de eso. Por ejemplo. Et donc tout à l'heure avec moi, on parlait des tendances qu'elle voit dans, les, dans le féminisme décolonial, en plus de ces deux qu'elle vient de mentionner, dans et hors académie. Una tendencia que estamos construyendo fundamentalmente en el Caribe, en República Dominicana y en Haïti. Donc il y a une tendance qu'on construit en ce moment fondamentalement dans les Caraïbes et plus précisément en République Dominicaine et en Haïti. Es un feminismo decolonial antirracista caribeño. C'est un féminisme décolonial antiraciste et caribéen. Porque muchas personas que se dicen feministas decolonial no necesariamente son antirracistas. Y esto es clave. Car beaucoup de personnes qui se disent décoloniales ne sont pas forcément antiracistes et c'est un élément vraiment clé. Y no es solamente la teorización, es la práctica. Pas seulement la teorización, c'est aussi la pratique de l'antiracisme. Pero además, nosotros estamos construyendo, digamos, con unos procesos que estamos haciendo allá, lo que le llamamos un feminismo decolonial cimarrón. Et ce qu'on fait à partir de pratiques qu'on est en train de développer là-bas précisément, c'est un féminisme décolonial cimarrón, c'est-à-dire marron. Du marronnage. Mm-hmm. Que es fundamentalmente recuperar. Marronnage. Marron au sens du marronnage ou du cimarronnage, selon comment on traduit. Qui l'on vous apporte. Exacto. Que es fundamentalmente recuperar prácticas de resistencias históricas y no solamente ver a nuestros pueblos como víctimas. Et c'est précisément de récupérer des pratiques de résistance historique qu'on a développées, que nos peuples ont développées, et justement précisément pas nous voir seulement comme des victimes. Et qui implique salirnos de la modernité, colonialité, aunque sabemos que no hay una exterioridad total. Et ça implique de sortir de la modernité, de la colonialité, même si on sait qu'il n'y a pas bien sûr une extériorité totale. Pero en la recuperación de prácticas ancestrales cimarronas actuales, mais dans la récupération de pratiques ancestrales cimarrones actuelles, identificamos maneras de crear la vida. Nous identifions des manières de créer la vie que cuestionan, problematizan, incluso confrontan los efectos de la colonialidad. Interrogent, problématisent et même confrontent les effets de la colonialité. Entonces, hoy hay muchas subcorrientes del feminismo decolonial en América Latina. Aujourd'hui, il y a plein de sous-courants du féminisme décolonial en Amérique latine. Y que obviamente también nos ponen en tensión. Qui bien sûr aussi nous mettent en tension. Yo no creo en la unidad, no creo en la unidad sin bases de proyectos políticos. Et je ne crois pas à l'unité, en tout cas pas à l'unité sans un projet politique commun comme base. Y en ese sentido yo sí creo en la solidaridad, creo en la construcción colectiva, practico la construcción colectiva. Donc je crois à la solidarité, je crois à la construction collective et je la pratique. Pero no con cualquiera. Mais yo creo que hay que tener un proyecto político de liberación claro hacia dónde vamos a caminar. Pas avec n'importe qui, il faut qu'il y ait un projet de libération politique clair pour savoir vers où on va aller. Y eso lo voy a articular con la pregunta de Pierrette. Et je vais l'articuler ça avec la réponse à la question de Pierrette. De aquí a poco no me importa llamarme feminista de colonia. De aquí a poco quiero decir. Es decir, probablemente de aquí a un tiempo voy a. No me importa tanto el concepto de feminismo, por ejemplo, hoy día. Donc, d'ici peu, peut-être je m'appellerai plus féministe décolonial et par exemple aujourd'hui, même m'appeler féministe, je ne sais pas si c'est encore, ça m'intéresse encore. Eso no quiere decir que yo niega que soy feminista. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle nie qu'elle est féministe. Pero es un feminismo con muchos apellidos. Mais c'est un féminisme avec beaucoup de noms. Décolonial, antirracista, cimarrón, lesbiano feminista. Es decir, es décolonial, cimarrón, lesbiano féminista. Voy a hacer una pequeña anécdota. Je vais faire une petite anecdote. Cuando Yuderkis Espinosa y yo, que es mi otra cómplice feminista de colonial, también pionera, estábamos buscando un nombre para
que articulara, digamos, la propuesta que veníamos construyendo, que era autónoma, que era lesbiana feminista, que era antirracista, que era antinacionalista, que era antimilitarista. Donc, quand avec Yudatis Espinosa, qui est mon autre complice, avec qui j'ai construit beaucoup de choses et tout, donc quand on cherchait un nom pour le projet qu'on voulait articuler, qui était un projet, autonome, lesbien féministe, antiraciste, contre l'État, antinationaliste, etc. Y encontramos la propuesta de María Lugón, es decir, fue como un encuentro en un momento preciso. À ce moment-là, on est tombé sur la proposition de María Lugón et ça a été une rencontre vraiment au moment clé, quoi. Y por supuesto que asumimos, digamos, el término feminismo decolonial. Et du coup, on a assumé le terme féministe décolonial. Pero con la propuesta de María Lugón también tenemos, yo tengo algunas diferencias. Sobre todo en las généalogías que veníamos haciendo, no en sus conceptos. Et du coup, en fait, en vérité, moi notamment, je ne suis pas 100% d'accord avec la perspective de María Lugón, et notamment, je suis bien d'accord avec ses concepts, mais par contre, sur la généalogie qu'elle fait, ben, j'ai des différences, en vérité. Entonces, probablemente, mañana, pasado mañana, yo tenga otro concepto, otra categoría que englobe cuál es mi posicionamiento hoy. Donc, quando, il est tout à fait possible que demain ou après-demain, j'ai un autre, je me nomme autrement, je trouve un autre concept qui englobe davantage ce qui m'intéresse. Quand estamos reconociendo otras genealogías que no son las feministas. Et qui reconnaissent d'autres généalogies qui ne sont pas seulement féministes. Movimiento anticolonial. Donc le mouvement anticolonial. Aportes de movimientos indígenas. L'apport des mouvements indiens. Aportes de movimientos campesinos. Des además de lo afro, obviamente. En plus de bien sûr le mouvement afro. Entonces, no, yo no le temo a eso, a esos cambios. Somos seres históricos y nuestras propuestas también tienen que ser historiques. Donc j'ai pas peur de ces changements, nous sommes des êtres historiques et nos propositions aussi elles doivent être historiques, historicisées. Sobre feminismo de Estado. Sur le féminisme d'État. A ver, bueno, yo vengo de la autonomía. Donc voilà, bon, moi je viens de l'autonomie, du monde autonome. Una cosa es que el Estado Nacional es parte de nuestra vida. Donc une chose c'est que l'État-nation il fait partie de nos vies. A partir del pago de impuestos. Depuis le fait qu'on paye des impôts. À partir de défendre la université publique. Défendre l'université publique. À partir de digamos, hacer una disputa con ese órgano, ese organismo jurídico político. Le fait même qu'on soit en dispute avec cet organe juridique politique, ça veut dire qu'on n'est pas, on peut pas faire abstraction de l'État. Et surtout dénonçant la répression que tiene. Mais aussi en dénonçant le fait de dénoncer la répression con los movimientos sociales. Par rapport aux mouvements sociaux. Ese es un tipo de política que es una disputa, ¿no? Frente a lo que representa el Estado en términos de clase, de raza, de sexo. Là, il y a un type de dispute par rapport à ce que l'État représente en termes de race, classe, sexe. Pero otra cosa es hacia dónde yo dirijo mi política para construir un proyecto de liberación. Donc ça c'est une chose, mais une autre chose c'est vers où je dirige vraiment mes énergies pour construire un processus de libération. Un proyecto de liberación que contenga una de las instituciones de más fundamentales de la colonialidad no es un proyecto de liberación. Un projet de libération qui mettent au centre ou qui contiennent cet élément tellement profondément colonial qu'est l'État, et bien c'est pas un projet de libération. Et eso me lleva a otra cuestión. Et ça mène à un autre point. Y es que siempre vemos las sociedades como totalidades. C'est qu'on voit toujours les sociétés comme des totalités. Donde el Estado-nación sigue siendo el centro. Dont le centre continue à être l'État-nation. Una mirada de colonial necesariamente va a tener que ver otro tipo de relaciones sociales que no necesariamente están pasando por el Estado. Et donc un regard décolonial, il doit avoir d'autres relations sociales qui ne passent pas nécessairement par l'État. Yo creo que hemos naturalizado mucho el Estado. Je crois qu'on a beaucoup naturalisé l'État. Y en la medida que abramos nuestra mirada décolonialmente, et dans la mesure où on ouvre décolonialement nos regards, vamos a encontrar muchos tipos de relaciones sociales, muchos tipos de sociedades. On trouvera beaucoup de relations sociales et beaucoup de sociétés que nos están dando elementos de vida en común. Qui nous apportent des éléments sur comment vivre en commun. En ese sentido, quien
quiera hacer feminismo de Estado es porque tiene una propuesta liberal de la política. Et donc les gens qui veulent faire du féminisme d'État, c'est des personnes qui ont une vision libérale de la politique. Igualmente lo que se está haciendo con los partidos, etc. Pareil dans le fait de le faire avec des partis. Yo sé que hay momentos claves que es importante hacer disputa frente al Estado. Et je sais qu'il y a des moments clés où il est important de disputer des choses par rapport à l'État. Denuncias, frente a su represión, frente a su fascismo, Bolsonaro, Duque en Colombia. O sea, todo eso hay que hacerlo. Pero yo creo que esos son momentos coyunturales. Y otra cosa es cómo construimos un proyecto que pues se acabe con las desigualdades. Sabemos que con Bolsonaro o sin Bolsonaro, el racismo en Brasil va a seguir por mucho tiempo, aunque surja Lula, aunque surja quien sea, ¿no? Et donc en fait, voilà, bien sûr qu'il y a des moments où c'est important de lutter par rapport à l'État et au fascisme d'État et Bolsonaro et au Brésil et tout, et en Colombie, et voilà, mais voilà, tant qu'il y aura Bolsonaro, il y aura du racisme et je me suis perdue, j'avoue. Même s'il n'y a plus Bolsonaro, le racisme est là. Merci, bien sûr, c'est ça. Parce que le racisme est une chose plus structurelle. Parce que le racisme, c'est quelque chose de beaucoup plus structurel et ce n'est pas du tout seulement le gouvernement. Sobre Pierrette, yo me llamo también afrofeminista. Donc pour Pierrette, bien sûr, je m'appelle aussi afrofeministe. Lo que pasa es que para mí, como bien lo dije aquí, pour moi, comme je l'ai dit bien ici, el feminismo decolonial que yo construyo, le féminisme décolonial que je construis, implica ya el afrofeminismo. Implique déjà d'entrer l'afrofeminisme. De hecho, es una de nuestras fuentes principales. C'est nos principales sources. Desde América Latina, desde los años, bueno, Miriam habló de eso hace un rato, hace mucho tiempo, estamos construyendo un afrofeminismo. Lo que pasa es que no era suficiente con ser afrofeminista. On construit cet afrofeminisme, ce qui passe, c'est que c'est pas suffisant, je me permets de dire, en fait, c'est 92 la rencontre de femmes noires qu'elle a co-organisée en Rapidomiquel. O sea, es importante ser afrofeminista decolonial, ser afrofeminista antimilitarista, antinacionalista. Es decir, esa categoría identitaria no me sirve en determinado momento, pero no me es suficiente. No solamente soy afrofeminista. Donc cette catégorie identitaire, bien sûr, elle m'est utile et elle est la base de plein de choses que je suis et tout. Elle m'est utile, elle est importante, mais elle ne me suffit pas. Porque hay afrofeministas de derecha también. Parce qu'il y a aussi des afrofeministes de droite. Por lo menos en América Latina. Y sobre el tema de las colonias francesas, yo ahí no puedo hacer, digamos, ningún consejo que no sea la lucha anticolonial y decolonial. À la partie des Caraïbes qui est française, je ne peux pas vraiment donner de conseils à part de lutter contre la colonisation. Je crois que parte de l'effet colonial fue como el Caribe se nos separó. Et je pense que c'est un effet de la colonisation, c'est de nous avoir séparés dans les Caraïbes, en différentes Caraïbes. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento entre República Dominicana y Haití. C'est ce qu'on fait en ce moment entre République Dominicaine et Haïti. Una pequeña isla que fue rota por Francia y por España. Une petite île qui a été cassée en deux par la France et par l'Espagne. Y que ha derivado en el anti-haïtianisme. Et de toute cette histoire, c'est de là que vient l'anti-haïtianisme en République Dominicaine. Nuestra lucha como feministas decoloniales caribeñas. Notre lutte comme féministe décoloniale caribéenne cimarronne est, ahí sí, como dijo Lugones, lograr otra vez ese lazo fracturado, ese fraccionamiento que hizo el colonialismo. Donc, comme a dit Lugones, ce lien cassé, ce fractionnement produit par le colonialisme, comme a dit Lugones. Como otra vez volver a encontrarnos como isla con una historia común de colonización, pero también una historia de resistencia cimarrón. On se retrouve ensemble comme une seule île avec notre histoire commune de résistance et notre histoire commune, y compris donc cimarrón. Y eso lo estamos haciendo con muchas actividades que ahora no. Es lo que hacemos maintenant avec de actividades, je vais pas rentrer dans les détails. Alejandra, tus dos preguntas importantes. ¿Existe una Alejandra?
La pregunta es si existe una epistemología feminista de Colombia. Es que existe una epistemología feminista de Colombia, pero nunca lo voy a dar cariño. Las universidades tienen que buscar presupuesto para la traducción. Il faut des budgets pour la traduction. Bueno, voy a hablar más despacio. Yo creo que podemos decir que hay elementos claves de una epistemología y una metodología decolonial. Je crois qu'on peut dire qu'il y a des éléments clés d'une épistémologie, d'une méthodologie féministe décoloniale. Una de las cosas claves es retomar, reconocer y legitimar los conocimientos que han producido aquellos sujetos que han sido afectados por la colonialidad. La première, c'est de reprendre, connaître et légitimer les savoirs produits par ceux et celles qui ont été affectés par la colonialité. Mujeres, hombres, indígenas, negros, etc. O sea, es decir, todos esos conocimientos que han sido asumidos como no legítimos, no reconocidos ni en la academia ni en ningún lado. Toutes ces connaissances qui n'ont pas été reconnues comme légitimes nulle part, ni dans l'académie d'ailleurs. Et eso es théorie, donc des théories, conceptos, catégories, explications, es decir, lo que siempre aprendemos de los europeos, o de los norteamericanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es parte fundamental de la epistemología feminista de colonial. Pero además, categorías, conceptos, etcétera, que puedan explicar nuestra propia existencia del grupo individual, subjetiva, pero también hacer análisis estructurales. Donc, pas simplement reconnaître les connaissances qui existent déjà, mais aussi reprendre et produire des théories qui expliquent ce que nous sommes aujourd'hui et le système qui nous a produit tel que nous sommes. Una epistemología que no necesariamente, es más, casi no, se ha producido en la academia. Donc une épistémologie qui de fait ne s'est pratiquement pas produite depuis l'académie. Entonces, en la academia cuando estamos utilizando una serie de categorías y conceptos, primero ponemos a Foucault y luego entonces ponemos las categorías de nuestras compañeras y compañeros negros, indígenas, etc. Donc quand on fait des citations, on met d'abord Foucault et après on met les compagnons de route. Como testimonio, comme testimonio, no lo ponemos como teorizando o analizando, digamos, una situación, ¿no? Yo creo que eso es clave. On ne les met pas comme des auteurs, des autrices qui théorisent, mais comme des exemples ou des témoins. Y en términos metodológicos, varias cosas. En términos metodológicos, plusieurs points. En primer lugar, creo que ya lo dije aquí, yo creo que hay que evitar reproducir, explotar y hacer extractivismo epistémico. Donc, d'abord, éviter de faire de l'extractivisme cognitif. Qu'est-ce que tu as dit? Épistémique. Épistémique. L'extractivisme épistémique. Estudiando a esos colonizados y colonizadas, ¿no? En étudiant ces colonisés et colonisés. Es decir, la antropología históricamente ha estudiado los indios, los negros, las mujeres pobres, las víctimas. Parce que l'anthropologie historiquement a toujours étudié les autres, les altérités, les femmes, les indigènes, les afrodescendants. Y con eso se hace créditos académicos de la gente blanca o por lo menos mestiza con privilegio racial de clase, etc. Oula. Et donc avec, en faisant cet extractivisme épistémique, se construisent des carrières de personnes blanches ou métisses avec des privilèges de classe. Entonces, yo creo que eso hay que combatirlo. Fuera. Ça, il faut le combattre fortement. Y eso entonces implica que
nosotras, nosotres, quienes tenemos, digamos, una posición de colonial y que además hemos sido afectadas más directamente por la colonialidad, llámese racismo, sexismo, etc. Donc, pour nous qui avons des positions décoloniales et en étant affectés, en ayant été affectés par cette colonialité du pouvoir et du savoir, tenemos que hacer dos cosas. Donc on a deux choses à faire. Primero, d'abord, hacer nuestras propias investigaciones. Faire nos propres recherches. Es lo que nosotros ahora le estamos llamando la auto-investigación, no porque es individual, claro, sino porque es un proceso que sale de nosotras y nosotros. Donc faire une auto-analyse, une auto-recherche de nous-mêmes et qui sort après. Y por otro lado, una cosa que yo vengo proponiendo hace mucho tiempo, que es tomar a las élites de poder como objeto de estudio. Et le deuxième point, prendre comme objet d'étude les élites du pouvoir économique et académique, on pourrait dire. Sí, académicas, bon, con todas ellas. Y etnografiar, hay que etnografiar, o sea, tenemos que saber cómo se comportan, qué dicen, cómo funcionan, irnos al proceso histórico para saber, es decir, porque muchas veces los movimientos sociales hablamos de las élites. Parce que très souvent on parle, dans les mouvements sociaux on parle des élites, mais il faut aller les ethnographier, comprendre comment ils vivent, comment historiquement ils se sont formés en tant que... Y cómo actúan, o sea, nos, nos conviene entender cuáles son las transnacionales que están entrando en Colombia, por ejemplo. On a besoin de comprendre de l'intérieur, d'une certaine manière, avec une ethnographie. ¿Qué relación tiene con ciertas familias en Colombia históricamente? Que aquí Alejandra Londoño está trabajando esa parte, en los archivos históricos para poder entender cómo funcionan hoy las élites que vienen históricamente construyendo eso. Y que son las más jodidas en el conflicto armado en Colombia hoy. C'est important de citer ton camarade qui est ici, qui fait une étude dans les archives des grandes familles, de certaines grandes familles, notamment de Colombie, qui ont construit sa richesse et pouvoir. Qui s'enrichissent, notamment en pratiquant l'extractivisme économique, enfin du point de vue économique, mais aussi lié au narcotrafic. C'est ça que c'est, si j'ai bien tout suivi. Sí, que tiene que ver con el conflicto armado. Qui sont liés au conflit armé. Y sobre la pregunta de Miriam, el COVID. Cuando llegó el primer año del COVID-19, la première année du COVID-19, había un espíritu. Il y avait un esprit. De que teníamos que pensarnos qué mal le estábamos haciendo a la naturaleza. Donc il y avait tout un esprit de penser tout le mal qu'on avait fait à la nature. Y que teníamos que reconsiderar cuál era el rol que nos tocaba como seres humanos. Et qu'on devait reconsiderar le rôle qu'on jouait comme être humain. Creo que mucha gente empezó a ver... Je crois que beaucoup de gens ont commencé à... Muchos documentales. A voir plein de documentaires. Cómo recuperar la vida. Sur comment récupérer la vie. Creo que eso pasó los primeros seis meses. Je crois que ça c'était les premiers six mois. A los seis meses empezamos a dar clases virtuales. Après six mois, on commence à faire des cours virtuels. Distanciamiento social. Le truc de la distance sociale, distanciation sociale. No había contacto físico. Il n'y avait pas de contact physique. Yo empecé a trabajar como una loca. Donc moi j'ai pareil, j'ai commencé à travailler comme une folle. Auto-explotarme. À m'auto-exploiter. No tenía tiempo ni siquiera para mí misma. J'avais même pas de temps pour moi-même. Y cuando me llamaban para tomar un café, yo decía, ¡ah, el COVID! Et quand on m'appelait pour prendre un café, je disais, ah là là, mon Dieu, le COVID, le COVID. Entonces, hay unas condiciones materiales. Donc il y a des conditions matérielles. Creadas, además, por la lógica capitalista. Créé en plus par la logique capitaliste. Que cada vez nos fragmenta más. Chaque fois nous fragmente davantage comme humanité. Eso no quiere decir que ha habido acciones concretas de solidaridad y de, sobre todo en algunas zonas, fundamentalmente rurales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des actions concrètes de solidarité, et particulièrement dans des zones notamment rurales. Que se empiezan a hacer, digamos, tejidos, où le tissu, on commence à recréer du tissu social solidarios, solidaire y de apoyo. Et des formes d'aide.
Pero viendo a mi alrededor, mais moi, quand je voyais autour de moi, yo creo que cada vez más estamos je crois qu'on est chaque fois plus pensando en cómo lo vamos a salvar. On pense chaque fois plus solita, en comment on va se sauver, moi toute seule. Et cómo no perder el trabajo. Comment pas perdre son boulot. Y sobre todo, cómo no perder tres trabajos que yo tengo que hacer para complementar. Et comment pas perdre les trois boulots que je dois faire pour... sobrevivir, debout, pour survivre. Porque con el dinero de la universidad yo... Parce qu'avec l'argent de l'université, c'est pas avec ça que je peux vivre. Entonces yo sí creo que hay un reforzamiento del individualismo. Donc je crois vraiment qu'il y a un renforcement de l'individualisme. Que además ya venía qui con la lógica capitalista, neocolonial. Pero que yo creo que se está reforzando cada vez más. Mais je crois que ça se renforce chaque fois davantage. Y sobre eso tenemos que tomar decisiones. Et là-dessus, como humanidad, des decisions, ¿no? Comme humanité, vraiment. No sé, es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno y cada una que estamos aquí sentadas. Es decir, yo creo que... Y eso va a depender de una pregunta mayor, y es la que yo hacía antes de ayer. ¿Cuál es el mundo que yo quiero? Donc c'est une question qu'on va se poser nous-mêmes, c'est-à-dire ici, et je la pose, c'est-à-dire en fait la question fondamentale, c'est quel monde on veut construire. C'est est préoccupant. Si, ouais, c'est inquiétant, en tout cas, je suis préoccupée. Esto sumado a lo que tú decías, la guerra, la justificación de la guerra como un medio. Frente a las grandes potencias, pero sabemos que... Et tout ça, en plus, ce que tu as dit, c'est-à-dire la guerre entre les grandes puissances, et alors que nous savons que... Que eso no, no, nos... Digamos, no, siempre las guerras nos llaman a tomar posturas. Les guerres toujours nous obligent à prendre position, quoi. Binarias, sin complejizar lo que significa una invasión a Ucrania. Des positions binaires, où on n'a pas la Rusia, possibilité de complexifier, de dire pourquoi c'est quoi. Se naturalise la guerre. Ukraine, pourquoi, qui, on naturalise la guerre, voilà. No sé, yo... No soy muy optimista, la verdad. Je ne sais pas, je suis pas non, optimiste, pero... je suis désolée, mais il y a une autre taille. Sí, sí. Porque, o sea, me llama mucho la atención, como bueno, como todo ça. C'est vrai, c'est mieux pour que les gens qui sont en ligne. Bueno, yo hago una maestría en comunicación para audiovisual en París, ¿mucho? Vas a traducir, ¿verdad? Si quieres, no solo por un contexto, pero sí puedo decir. Y entonces es comunicación para el audiovisual. Y estoy haciendo algo sobre el análisis de, pues, del cine queer latinoamericano o de disidencias sexuales. Entonces, bueno, un poco la pregunta va a ser ya. Como desde la teoría feminista decolonial, ¿qué metodologías pueden movilizarse para decriptar o recodificar las representaciones mediáticas, pues no solo el cine, sino los medios de comunicación, que crean representaciones de la violencia contra las mujeres y los cuerpos racializados, empobrecidos, pues situados en el turno? ¿Es que tú quieres traducir? Sí, como tú quieres hacer. Como tú quieres traducir. Entonces, ¿ella estudia la comunicación aquí a Paris 8 y el cine? C'est un master en communication pour l'audiovisuel. Voilà. Alors, la question c'est, à partir de la théorie féministe décoloniale, quelle méthodologie peut être mobilisée pour décrypter la codification? On va pas. Voilà. Pour décrypter et recodifier les représentations médiatiques de la violence contre les femmes et les corps racialisés, appauvris et géopolitiquement situés dans le sud global. Parce que cette... Pues eso, Lo primero que yo cuestionaría es si vas a trabajar en Avia Yala, ¿qué sería lo queer en Avia Yala? Donc la première question que je ferais, ouais, c'est si tu vas travailler à Avia Yala, c'est quoi queer en Avia Yala? Lo queer es una importación, ya no sé ni qué estoy hablando. Una importación de Estados Unidos y que o sea, en Avia Yala llega
m'entiende, à travers de l'académie. Et que c'est quelque chose, tu comprends, qui vient en Ali Ayala vraiment en fait à travers du l'université. Du vôtre et tout, c'est clair, etc. Queer est un concept problématique pour faire une généalogie en Ali Ayala. Donc la généalogie de queer en Ali Ayala, elle est carrément j'ai problématique. J'ai droit à la réplique, hein. Puedo responder porque precisamente que es el tema de las genealogías que para ti es tan importante. Precisamente el tema de la genealogía que para ti es tan importante. No, yo he empezado a abordar la teoría queer no porque me interese, sino porque yo estoy en el norte global. J'aborde la théorie queer pas parce que para legitimar mi investigación, yo utilizo teoría queer para abrir como una discusión de cómo la teoría queer llegó a, pues, a la América Latina, traducida por Paul Preciado, por Sayag Valencia, por Teresa de Lauretis, ¿no? Y entonces mi genealogía, pues yo hablo mucho de Anzaldúa, de Gloria Anzaldúa, que fue tal vez la primera que habla un poco de ese sujeto múltiple, polimorfo, ¿no? En La Mestiza, ¿no? En ese libro de Frontera Mestiza. Y entonces yo tenía problemas para poder legitimar ese tipo de genealogías acá, entonces por eso yo hablo de teoría queer para luego sumergirme en las propuestas locales de disidencia sexual o queer con Q o queer con C, ¿no? Porque es un poco la metodología que aquí creo que he encontrado lo más fácil para resolver ese problema. Pero yo creo que... Que moi je trouvais que dans l'Académie française, ils m'étaient imposés d'utiliser comme première source la théorie queer pour pouvoir ouvrir la porte sur les discussions sur la dissidence sexuelle en Amérique latine, on a Nevia Yala. Donc j'étais un peu obligée d'avoir reconnaître que la théorie queer c'était d'abord. En pratique, d'abord, c'était une insulte anglaise, parce que queer en espagnol, ça ne veut rien dire, en fait. Donc, c'était évidemment une pratique qui vient, un peu, on va dire, de ces récits du Nord global, de ces mythes, de Stonewall. Parte de las disputas que podemos hacer en esta academia, en esta, no en todas, es precisamente colocar otras maneras del pensar y no solamente somos las profesoras y profesores que lo tenemos que hacer, ustedes también los estudiantes. Et donc je pense que voilà, c'est aussi la lutte des étudiantes, il n'y a pas que les profs qui peuvent et qui doivent amener d'autres manières de penser, c'est aussi une lutte des étudiantes et des étudiants d'amener ces autres manières de penser, quoi, de trouver des stratégies pour le faire peut-être. Entonces, yo creo te voy a recomendar una persona, luego te doy los datos, que se llama Josuan, que está en el Estado español, que es venezolano. Donc je crois, je vais te recommander, après je te donnerai les coordonnées, une personne qui s'appelle Josuan, qui est vénézuélienne dans l'État espagnol. Venezolana, más bien. Es muy interesante porque en vez de irse por lo queer, et donc, de manière très intéressante, au lieu d'aller vers le queer, cette personne, elle rescata à travers de la religiosidad yoruba, à travers la religiosité yoruba, met en avant les façons dont, en que hay un cuestionamiento al género. Donc, chez les yoruba, il y a un questionnement sur le genre. Et va recuperando, digamos, una serie de ancestralidades que no es ni Anzaldúa, ni Teresa de Lauretis. Et cette personne récupère une série d'ancestralités qui n'est ni Anzaldúa, ni Teresa de Lauretis. O sea, Anzaldúa me encanta, pero yo creo que ya es muy repetitiva. O sea, estamos repitiendo. On répète les références, en fait. Yo creo que hay que abrirse. Je crois qu'il faut ouvrir. Sobre todo aquellos autores, autoras que no necesariamente tienen ese. Des sí, ese reconocimiento. Además, Anzaldúa ha sido blanqueada. Y en plus, Anzaldúa ha sido blanchida, quoi. Por la Academia Blanca. Blanchida por la Academia Blanche. Eso no quiere decir que no utilicen Anzaldúa. Lo que te quiero decir es que Anzaldúa, bien sûr, mais... hay que ampliar las posibilidades de gente que le está. Que está pensando de otra manera a partir de su. Expérience incarnée, non? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut amplifier et utiliser aussi d'autres gens qui proposent d'autres choses à partir de leur expérience propre en chair et en os, quoi. Bien. Oui, allez, c'est bien.
Il nous reste une vingtaine de minutes. Vous êtes héroïque. Vous avez tenu 3 heures quasiment, enfin à 2h30. Mais après, il y a une grosse pause. Si, je me traduzco. Entonces, hay un momento, perdóname, yo te traje la anotación porque si no me confundo. Cuando hablas de la epistemología, de lo de retomar, reconocer y legitimar los conocimientos, y después hablas del extractivismo epistémico, porque digamos que para mí una de las cuestiones que creo que mis compañeros ya saben que puedo ser un poco insistente con esa pregunta. Una de mis grandes angustias es caer en una especie de extractivismo epistémico, de un extractivismo académico. En mi caso yo trabajo, pues la idea es trabajar con poblaciones migrantes, en particular niños. Me parece que eso es una situación un poco, hay un desbalance de poder bastante fuerte. En esas situaciones, ¿cómo uno puede, que puede ser una pregunta muy, muy evidente, pero cómo uno puede insistir, digamos, en poder retomar, reconocer y legitimar estos conocimientos sin, digamos, cooptar al mismo tiempo por parte de la academia, cooptarlos también, evitar otra vez que se cree una especie de círculo vicioso? Es eso, y la traducción es... en la siguiente. Non, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est dans un moment, tu avais mentionné par rapport à l'épistémologie qu'il faut reprendre, retomber, et reconnaître et légitimer les connaissances, les théories, concepts, explications. Et en même temps, après, elle mentionne qu'il faut aussi éviter un extractivisme académique. Et pour moi, c'était vraiment une source d'angoisse, surtout mon métier, disons. Et parce que je vois que c'est vraiment une espèce de ligne, puerta flor, une ligne. La corde raide. Merci. Et dans le sens que comment est-ce qu'on essaye vraiment de faire ça, dans mon cas par exemple, moi je travaille avec des populations migrantes, dans le cas spécifique de Venezuela vers la Colombie, et surtout des mineurs. Donc c'est vraiment, il y a un rapport de pouvoir que je trouve vachement compliqué. Donc comment est-ce qu'on évite une situation dont on commence autrefois une espèce de cercle vicieux, on dit hein. Ok. Yo no sé si quienes han pasado por clases de metodología de investigación 1. Je ne sais pas si les gens qui sont passés par des cours de méthodologie de recherche numéro 1. Hay dos preguntas que siempre se nos hacen que debemos resolver. Nous, il y a toujours deux questions qu'on nous fait et auxquelles il faut répondre. ¿Para qué es esta investigación? Pourquoi, dans quel but elle est cette investigation, cette recherche? Et à qui le sirve l'investigation? Et à qui ça va servir cette recherche? Je vuelvo otra vez, desde el punto de vista ahora décolonial, à hacer la misma pregunta. Je refais cette question depuis le point de vue décolonial. ¿Para qué yo voy a trabajar con esa población infantil? Donc, no te lo estoy preguntando. No, c'est pas une question pour toi, mais la question c'est ça, c'est dans quel but, pourquoi, dans le sens. À quel objectif je vais. Que buscas con eso? Que, más allá de cumplir un crédito académico. C'est quoi qui est cherché au-delà d'obtenir un crédit universitaire? C'est quoi qui est recherché dans le fait de faire cette recherche avec cette population enfantine? Y a esos niños y niñas, niñas migrantes, ¿en qué le va a servir esa investigación? Et pour ces enfants migrants, ça va leur servir à quoi cette recherche? Yo no lo sé. Pero, sais rien. Para mí, esas son las preguntas importantes. Mais pour moi, c'est ça les questions importantes, quoi. Y cuando una se responde esas dos preguntas, es que una puede decir, la academia puede servir para algo. Y cuando uno puede responder a esas cuestiones, en ese caso, uno puede decir, la universidad sabe algo. Por ejemplo, mi último libro tiene que ver con el proceso de desnacionalización
Mon dernier livre, il a un rapport avec le processus de dénationalisation des personas dominicanas de ascendencia haïtienne. Des personnes dominicaines d'ascendance haïtienne. Yo decidí hacer ese tema mi tesis de doctorado. Et j'ai choisi de faire ma thèse doctorat sur ce sujet. Porque necesitaba con ellos, ellas, ellas. Parce que j'avais besoin avec ces personnes. Producir un documento algo. J'avais besoin de produire un document ou de produire quelque chose. Que profundizara en lo que significaba el racismo en torno a la desnacionalización. Qui permettait d'approfondir la réflexion sur qu'est-ce que ça voulait dire le racisme dans cette perspective de la dénationalisation. Y cumplí un crédito académico, me gradué. Et j'ai coché une case académique, j'ai eu mon diplôme. Pero a mí lo que me interesa es que ese libro tenga un impacto en República Dominicana. Ce qui m'intéresse, c'est que ce livre il ait un impact en République Dominicaine. Et l'impact, non, lo voy a hacer yo. Et l'impact, c'est pas moi qui vais le faire. L'impact, lo van a hacer las y los afectados por la sentencia. Ce sera les affectés, les personnes affectées par la sentence qui vont faire. Et mi contribución fue esa. O sea, desde la academia, ¿cómo podemos hacer un análisis que no es un problema jurídico? Pour moi, ma contribution, c'est faire depuis l'académie. Depuis l'université, une analyse du fait que la sentence, donc qui dénationalise, etc., l'objet de son livre, c'est que c'est pas un problème juridique, c'est ça qu'elle a cherché à montrer, c'est pas un problème juridique. C'est un problème politique. Mais que cette sentence, c'est un problème politique. Et c'est ce que je pense. Et je suis convaincue de que ça doit être. Et en plus, je, non seulement je pense, mais je suis convaincue. Peut-être demain je penserai à autre chose, mais aujourd'hui je suis convaincue que c'est ça le fond. No sé si voy a escuchar esta frente a la cámara. ¿Puedo hacer mis preguntas desde aquí? Sí, se está grabando, sí, es mejor, más chévere. Oh, si quieres anonimato, pues ahí queda, perdón. Sí, está mejor aquí, gracias. Te vas a traducir, ¿verdad? ¿Perdón? Te vas a traducir. Espero que sí. A ver si es mejor. Para mí es, yo tengo muchos cuestionamientos respecto a la ética, justamente hablando ya en este sujeto sobre nuestros estudios ya como doctorantes, la ética con las personas con las que trabajamos, también siendo parte o compartiendo situaciones políticas con las personas con las que estamos haciendo nuestras investigaciones. ¿Cómo pasar de hacer la investigación a una persona como un objeto? Y también, o sea, yo tengo esa reflexión ahora de no sé exactamente cómo, pero cómo crear un vínculo, digamos, cuando estamos haciendo una investigación. Y también cuando se comparte situaciones políticas en común, aquí en los nortes globales. Entonces, sabiendo, estando consciente yo personalmente de los privilegios que tengo acá, porque yo hago investigaciones con mujeres igual de América del Sur, que son trabajadoras sexuales, y pues podemos compartir un montón de cosas en común, pero sin embargo yo soy una investigadora y también hay una relación de poder ahí. Entonces, de ahí eso me lleva a pensar en las epistemologías decoloniales y cómo aplicar. Y yo siempre estoy en este punto de la reflexividad y también de que hasta qué punto, también justamente a qué sirve investigación, para qué, para quién, etcétera, etcétera. Y también son un comentario de que ser investigador acá, como una persona afuera, ha sido una violencia enorme en mi universidad respecto a justamente. Yo he tenido este síndrome del impostor por todas partes, justamente por investigar este tema también y reconociéndome como parte de la comunidad al mismo tiempo. Pero solo para decir que sí es bastante violento ser una estudiante doctorante extranjera aquí en Francia y confrontarse con estas cosas de la academia, sobre todo entre militantismo y academia, que aquí son tan dicotómicos también. Entonces hay muchas cosas que es difícil como que luchar, o hasta qué punto uno puede disputarse con esto cuando también hay tantas cosas en juego para uno como estudiante. Entonces, la traducción sería, en gros, quel type d'éthique on peut utiliser face aux personnes avec qui on fait nos recherches, comment, en gros ça. Et puis, en plus, quand on partage des situations politiques qui pouvaient être semblables, par exemple, la migration, la nationalité, tout avec ou sans papier, venir d'une région, l'Amérique du Sud, la Biélorussie, et voilà, être en France. Comment faire voilà.
De una vez vamos a... Sí. Y tal vez será la última, o si hay otra, ya, pero iremos cerrando, ¿no? La mía es muy sencilla. Mi pregunta es de joven, de muchacho a... A vieja. De una persona que está muy preocupado, como tú, ¿sí? Y precisamente reconociendo esa preocupación y con una, digamos, visión histórica de reconocer que quizá nuestros antepasados ya han dicho muchas de estas cosas y no queremos repetirlas, es decir, lo hago con esta visión también histórica. Hay historia entre los dos, ¿sí? no la niego. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer que nos lean? Porque es que, ¿cómo hacer que este mundo blanco se concentre o nos mire a nosotros desde la igualdad? Porque ya, es decir, muchos escritores, muchas personas, activistas, lo han dicho desde hace mucho, mucho tiempo. Es decir, yo estoy haciendo un trabajo sobre Zapata Olivella y cuando yo explico que yo estoy acá haciendo todo lo posible para que la gente vuelva a leer a Zapata, sabiendo que él se pasó toda su vida haciendo cosas increíbles para que él mismo pues, se diera a conocer, pues suena lógico, ¿sí? No es lo mismo que hacen los intelectuales, escritores europeos que automáticamente se venden por su propia cuenta. Entonces mi pregunta es precisamente eso, ¿cómo hacer que el mundo nos lea? ¿Cómo hacer que seamos el centro? ¿Y cómo hacer que, precisamente planteando estos códigos, por ejemplo, planteando el código y la narrativa difícil de Zapata, ellos digan, no nos interesa porque es que está escrito en un código muy complejo, entonces no lo quiero leer. ¿Listo? Uh-huh. Alors, ma question pour elle, c'était de comment, moi, en tant que jeune, en tant que jeune écrivain, jeune chercheur, se demande sur la question de comment réveiller l'intérêt aux personnes européennes blanches et comment réveiller cette idée d'être lu dans ce monde qui est blanchi. Voilà, c'est juste ça. Bueno, voy a... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Sara. Voy a empezar por Sara. Donc, je commence par Sara. Yo creo que una cosa que también está de moda es la reflexividad. Donc, je crois que c'est aussi un truc à la mode, la réflexivité. Ahora, todas las tesis comienzan diciendo, yo soy... Toutes les thèses maintenant commencent par le suivi de classe no sé quién, de raza no sé cuánto, soy una privilegiada, pero me interesa. Eso para mí es una, perdón que diga esto, una limpia de culpa. Et voilà, disons, je suis privilégiée. Cuando, pour moi c'est une manière de laver la culpabilité, alors que... Cuando eso no se corresponde con tu metodología, con tu proceso investigativo, es decir, eso no basta. Donc ça ne suffit pas si ça ne correspond pas, si tu ne mets pas en corrélation ta méthodologie, ton épistémologie et tout, ça ne suffit pas. Je crois que la éthique est une question très compliquée. Bueno, los filósofos me dirán. L'éthique, c'est une question très compliquée, bon, les philosophes me diront. Porque no hay una sola ética tampoco. Y aparte de la ética, bien sûr, no. Yo creo que cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de asincerarnos en un proceso de entender. Donc, quand on parle d'éthique, je crois que c'est la question d'essayer d'être le plus sincère possible dans le fait de comprendre. ¿Cuál es el lugar en la jerarquía que tenemos? Quelle est notre place dans la hiérarchie?
Y si tenemos un pensamiento decolonial. Et si on a une pensée décoloniale. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con eso? Quelle responsabilité on a par rapport à ça? O sea, no basta para mí con establecer vínculos, eso es importante, pero no es suficiente. Ça suffit pas de créer des liens, c'est important, mais c'est pas suffisant. Yo creo que tiene que ver con cómo yo produzco un conocimiento. Je pense que ça a à voir tout ça avec comment je produis des connaissances. Que no es mío, solo. Des connaissances qui m'appartiennent pas qu'à moi, sino que parte de una producción colectiva, mais qui partent, qui viennent d'une production collective. Que además ese conocimiento tiene que ser, ya lo dije antes, validado, legitimado. Et en plus, je l'ai déjà dit, mais ces connaissances elles doivent être validées et légitimées. Y que tiene que servir para la gente con la cual yo estoy haciendo la investigación. Et doivent servir aux gens pour avec qui je fais la recherche, c'est-à-dire. Aunque yo esté trabajando con trabajadoras sexuales. Si je travaille avec des travailleuses sexuelles. Si ellas no se van a beneficiar de eso, ¿para qué estoy haciendo un trabajo? Si elles vont pas en retirer un bénéfice, pourquoi je fais ce travail? Y el beneficio no necesariamente es un asunto económico. Et le bénéfice n'est pas forcément économique. Ese mucho sentido a que le, otra vez la pregunta para qué le sirve. C'est dans, no. Enfin, dans y si no, si no es así, estamos haciendo extractivismo epistémico. Et voilà, pourquoi ça leur, à quoi ça leur est utile, voilà, c'est ça la question. Et si il n'y a pas de réponse à ça, et là, c'est de l'extractivisme épistémologique. Y sí, yo me imagino que la violencia estudiar en Francia como estudiante latinoamericana, et oui, africana, que etcétera, en France, es muy duro. Ça, ça doit être très, très dur. Y hay que hacer dos cosas. Il faut faire deux choses. Entrer con toda. Entrer avec toute la force possible. O quedarnos en América Latina. Ou alors, hay muy buenas universidades. Yo diría que rester en América Latina. O sea, ¿por qué tenemos el sueño europeo, el sueño norteamericano como que eso es lo máximo? États-Unis, c'est le maximum et tout. Es decir, yo creo que hay que romper el norte. Yo creo que hay que romper con esta idea. O vienes y lo rompes con toda. Ou bien tu viens et tu casses tout. Oh, nous quedamos allá que. Non, que estamos tampoco mucho mejor, pero. C'est pas qu'on soit tellement mieux, hein, mais quand même, c'est un peu. On est un peu mieux. Mario, yo no escribo para la gente blanca. Moi, je n'écris pas pour les gens blancs. Yo escribo para. Digamos, si la gente blanca y con privilegios de clase y heterosexual me lee, muy bien. Si les gens blancs avec des privilégios de clase y heterosexual me lee, tant mieux, semblerait que c'est le cas. Pero ese no me interesa. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. O sea, yo creo que mi interés es otra vez fortalecer un pensamiento crítico decolonial. Je crois que mon intérêt c'est que nos sirva para nuestra lucha. Qui nous soit utile pour nos luttes. Si en la medida que estamos produciendo eso, si dans la mesure où on produit ça, motivamos a que gente blanca antirracista, porque yo creo que hay gente blanca antirracista, je crois qu'il y a des gens blancs antirracistes, les sirve lo que estamos produciendo, si ça leur est utile ce qu'on produit, hemos cumplido nuestro objetivo. On a rempli notre pero objectif. No es el centro. Mais ce n'est pas le centre. No voy a gastar mis energías, además ya yo tengo 58 años, de aquí a 10 años probablemente ya no... 58 ans, dans 10 ans, ¿quién voilà, sabe dónde esté? Je ne sais pas où. Pero digamos, yo sí creo que es importante eso. Non, o sea, je crois que c'est ça qui est important. No puede ser que una posición decolonial sea convencer a la gente blanca, une position décoloniale, ça peut pas être le convaincre les gens blancs, classistes, hétérosexuels, non. Para nosotras y nosotros, non. L'énergie, elle va pour nous fondamentalement. Si eso rebota, si ça déborde à l'extérieur, otros grupos, à d'autres secteurs, d'autres groupes, génial. Así podemos hacer el proyecto de liberación más amplio. On peut faire un projet de libération plus vaste, de sujets multiples, pero no lo desgastemos. Mais ne perdons pas notre énergie. Merci beaucoup. Bon, ben, je pense qu'avec ça, tout est dit. Maintenant, on peut boire et manger. Manger pas beaucoup, mais voilà, discuter de manière plus informelle. Merci encore à toutes les personnes qui ont participé, qui étaient en vidéo, qui ont posé des questions. Aux personnes, à Myriam, à Capucine, à Guillaume, à Oji et à l'Université de Chicago. Et à Jules pour la traduction.